Bonsoir et bienvenue dans le Talk sur la Web TV de Web Girondin, l'émission qui décortique l'actualité des Girondins de Bordeaux, Bordeaux. Avec soin. Et on avec était pas loin ce week-end. On était à côté. Bordeaux, c'est en Corse. Bordeaux, c'est en Corse. De Bordeaux. Les Girondins de Bordeaux. Vous connaissez pas ce club non. C'est tout nouveau. Si on connaît. Voilà, je suis ravi de vous présenter cette émission. Elle est possible grâce aux sociaux qui nous soutiennent. Donc merci à ceux qui viennent de s'inscrire et ceux qui le sont encore pour nous soutenir, cette belle communauté. C'est grâce à vous qu'on peut avoir autant d'émissions et de contenu sur le site internet. Donc n'hésitez pas à devenir sociaux si vous le pouvez. Le lien est dans le chat sur YouTube et je le mets comme ça. Le lien ici, hop, dans les chats sur YouTube, Facebook et Twitch. Je salue tous ceux qui sont sur Twitch, sur Facebook et sur YouTube aussi. Donc, vous pouvez nous rejoindre dans le chat. Abonnez-vous et je vous présente l'équipe. Thomas est là. Bonsoir, Thomas. Bonsoir, Nico. Bonsoir, Joe. Bonsoir, Chino. Bonsoir, le chat. Salut, Tom. Comment ça va, Tom? Je tenais à remercier Bordeaux d'un lendemain de match. Je n'étais ni en colère, ni triste, ni joyeux. Le neutre le plus total. Je n'ai jamais vécu ça. Mais j'étais bien. Bon. Je trouve ça normal maintenant. C'est tout à fait normal ce qui se passe. C'est bon, après, je me suis habitué. Après 4 ou 5 ans de crise, on s'habitue. Hein. Ouais. À gérer les émotions. Normal. Bon, des fois, ça revient quand même. Non. Ça bon. Peut revenir, mais bon, c'est très rare. C'est dur. L'énervement peut arriver. Hop, tu peux avoir une rechute là. Ouais, on est un peu dans la rechute. Moi, je suis un peu dans la rechute. Et voilà, bonsoir Gino Forte. T'es dans la rechute? Salut Nico. Ouais. Je comprends ce que dit Tom, mais j'ai du mal à avoir les mêmes ressentis après cette période très très difficile. Bon, on va voir à quel point tu rechutes alors ensemble pendant cette émission. T'es désespéré, comme disait JC sur le chat. C'est ça, on est désespéré. Tiens, on s'est fait chambrer sur les pronoms, quoi. J'ai vu, il y avait Claude Pez qui était là. Salut Claude Pez et Vincent aussi qui est là. Bonsoir, monsieur Jonathan D'Agostino. Bonsoir à tous. Alors moi, j'ai passé un très très bon samedi soir, du coup, parce que 20h20, non, 19h20, pardon, j'ai coupé ma télé, je suis parti au cinéma. Mais je vous rassure, j'ai vu le match en replay, hein, quand même. Mais je me suis dit, bon, on va pas se faire du mal. Hein. Voilà. Le match, tout à fait. J'ai les pronos. Alors, avec Tom, on avait quand même pronostiqué un match nul, non? Moi, j'avais dit 0-0, je crois, moi. Ouais, pas dit... 0-0, Gino victoire, Sam victoire, Tom 1-1. Et moi, j'ai mis les deux, 1-1 ou 1-0. Je ne sais plus trop ce que... Bon, bref, on s'est planté. Et on accueille Monsieur Samuel Vasselin, qui est là, qui vient de nous rejoindre. Sam. Bonsoir, Monsieur Vasselin. Bonsoir, Nico. Bonsoir à tous. Moi, j'arrête les pronos avec ça. C'est vrai. Il vaut mieux en ce moment. Non, c'est parce que c'est compliqué. Mon cœur parle, mais visiblement ma raison n'a pas encore compris l'ampleur du désastre. Donc, on va arrêter de parier sur cette équipe. Enfin, je parie déjà pas, mais je pronostiquerai plus non plus. Voilà. Salut à Gérard, salut à Pascal Marcon, Arthur, Isa, Inex. Cartonner qui est là, Youssef, un habitué, Sébastien, Anthony, Benoît qui s'est recyclé Benoît à l'UBB qui est à l'UBB ce week-end. Eh oui. GP qui est là, Vince, Garcia, Sébastien, Marvin et tous les autres, Tony qui est là et tous ceux que je. Jérôme Nodon que je connais depuis longtemps. C'est Christian Alvarez aussi, Tirto et tous les autres. Je ne peux pas tous vous nommer, mais peut-être au fil de l'émission, hein, je vous nommerai si je peux. En tout cas, c'est Thomas qui pilote le chat sur les trois réseaux sociaux. C'est lui qui affiche vos messages. C'est lui qui peut vous battre aussi. C'est dur, Nico, ce soir. Entre le Girondin de Borgo, Facebook et maintenant ça. Le premier quart d'heure est compliqué. J'ai pas dit Facebook. Si, tu l'as dit tout à l'heure. J'aurais dû faire des vocaux. Comme les Girondins du jour, on part pour 90 minutes, très compliqué quand même. Hein. Ouais, c'est ça. On va essayer de tenir, jusqu'au bout. Promis. On va délivrer la prestation ce soir. Moi, je vais la délivrer, la prestation, l'émission, avec vous. Oui. Le programme de cette émission, je vous le présente. Les enseignements Bastia-Bordeaux et l'analyse du match. On se posera une question. Pourquoi Albert Liera est-il déjà en échec? Si on peut parler d'échec aussi, peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec cette question. Quelles sont les solutions pour les Girondins?
On se posera des questions. Quels sont les leviers pour inverser la tendance? Et ensuite, Bordeaux, Annecy, l'équipe adverse et les pronostics. Je lirai aussi une lettre reçue par Ahmed, supporter des Girondins de Bordeaux, qui m'a envoyé une lettre. Et il y aura une question de Benoît, qui est socio, et qui vous pose une question, messieurs. J'ai noté la question, ils ne seront pas tous les deux... Qu'est-ce que tu dis? Non, parce qu'il y a une question de Benoît qui vient de s'afficher, c'était pas... Ouais. Ah, et c'était voilà. Pas... c'était quoi la question de Benoît? Non. Ça ne doit pas être celle-là. C'était que Benoît, Nicolas. Alors, alors... Non, non, je ne vois pas d'alcool, moi. Prenez des bras à ce niveau-là, c'est vraiment... Fermez sachez... le club, rasez le haillon, faites un paddle. Non. Sachez que je ne bois pas d'alcool. Voilà. Sauf en soirée, mais bon. Ouais. Et, le lundi, entre 19h30 et 21h. Voilà. Donc voilà, on répondra à la question de Benoît. Donc on est presque 12 400 sur YouTube. Donc si vous n'êtes pas abonné sur YouTube, hop, vous venez comme ça, vous abonnez. Vous verrez toutes les vidéos, puisque toutes les vidéos sont sur YouTube. Hein. C'est là où vous avez tous les contenus vidéo. Sur Facebook, tout n'y est pas, sur Twitch non plus. Donc c'est sur YouTube. Donc comme ça, ça vous permet d'augmenter un peu le nombre d'abonnés et surtout de liker cette vidéo si vous regardez en replay ou en direct, ben vous mettez un petit like. L'objectif, c'est 300. Voilà. Pendant le live, ça serait beau. Pour un 17e de Ligue 2, ça serait beau. Vraiment, ça serait incroyable. Voilà, je pense que j'ai tout dit, messieurs. Bon, là, la musique du générique, vous validez ou pas? Ah, j'ai oublié ma casquette urbaine, du coup, donc j'aurais dû la mettre avant. C'est juste ça. Mais... Non, mais vous validez ou pas? Bon, allez, bon, c'est pas... Eh bien, ça change un peu. Voilà. C'est jeune. C'est différent. Voilà. Ouais, c'est d'accord. La même pour le débrief à chaud. Ah oui. Oui. Ah ouais, alors ça va. Ouais. C'est street. Ah tu as pas entendu. Oui. Bon, je voulais changer, donc pour changer, parce qu'on est entré dans une nouvelle phase de la saison des Girondins. Ah oui. C'est clair. T'as prévu le générique de l'exorciste, il est pour quoi? Pour savoir. Ah parce que la saison a commencé là, vraiment. Oui. Ça a commencé. La saison a commencé. Souvenez-vous. Sur la saison de la descente, donc 2021-2022, on finissait avec des musiques de yoga pour s'apaiser. Hein. Ça ouais, ça, ben on va pas tarder là. Enfin, attention, moi on pouvait m'apaiser encore, c'était compliqué. Les bons souvenirs. Avec une descente en Ligue 2. Hein. Là, si on parle de descente en nationale, vous pouvez ramener le Dalai Lama dans la chambre. alors là, là, on va plus rigoler. Hein. Une autre étape. Ah oui. Allez, 19h41, c'est parti pour les enseignements. Ah mince, c'est fini. Allez, les enseignements. Qui veut commencer? Qui a envie de commencer et qui commence jamais? Parce que je fais tourner un peu comme ça au feeling. Ah, Joe, il lève la main. Tu as toujours dans la classe quelqu'un qui lève la main pour passer en premier. Souvent devant, donc c'est pour ça. Et Joe, c'est celui qui déprime le plus, donc on le met en dernier d'habitude. Alors, c'est ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je vais donner un ton, les gars. Vous n'êtes pas prêts. Alors, attention. Non, mais Joe, je vois qu'il y a beaucoup de messages pour dire que Joe avait tout vu avant tout le monde. Oui, off. Bon, sauf le score du match. Voilà, c'est ça. Généralement, j'espère toujours qu'ils vont nous sortir un petit match sympa et à chaque fois, ben, on est déçu malgré tout. Alors, malgré mon pessimisme. Allez, on t'écoute pour les enseignements. Ben, déjà, le premier enseignement, c'est pas compliqué, c'est que nous sommes relégables à la 14e journée de Ligue 2. Si on m'avait dit ça lors de la première journée, ben, avant la première journée, ben, je t'aurais dit t'es fou, c'est pas possible. Bordeaux est quand même la pire équipe de Ligue 2 sur les 5 derniers matchs avec 2 points. C'est-à-dire que même Dunkerque et Valenciennes qui sont derrière nous ont pris plus de points que nous avec seulement 3 points. On est quand même sur 9 buts encaissés en 5 matchs, pour l'une des meilleures défenses de la saison dernière. Bref, dans un championnat qui est quand même assez médiocre, on est quand même la pire équipe actuellement, c'est plutôt gênant. Et puis on sait très bien que, par expérience très proche, hein, rester trop proche de la zone rouge ou dans la zone de relégation, on est vite en grand danger. Donc il y a une obligation de résultat, on le disait déjà quand même contre Bastia, hein, mais là, désolé Albert, mais tu n'as plus le choix. Prochain match, c'est victoire, ou sinon, très sincèrement, on va être déjà dans une grande, grande difficulté. Et mon deuxième point, c'est justement la philosophie du football d'Albert Riera, qui insiste sur le fait que ses principes de jeu amèneront les résultats. Et pour moi, à l'heure actuelle, ce sont plutôt ces principes de jeu qui posent déjà question et qui nous posent un petit peu problème là depuis 3 matchs, même si ça fait que 3 matchs d'ailleurs. Le problème, c'est que les adversaires, pour moi, ont déjà compris les faiblesses du système de jeu et des principes que veut mettre en place Albert Riera. Le parfait exemple, c'était encore samedi.
C'est une relance systématique par l'arrière liée à notre faiblesse technique par manque de confiance qui ont suffi à Bastia en 18 minutes à se créer 5 situations dangereuses et à nous marquer 2 buts, juste en nous pressant haut et en mettant aussi de l'intensité. Sans oublier aussi notre faiblesse dans la profondeur et ce bloc, on va dire, de Albert Herrera qui est très compact et très basé sur un côté, qui laisse le côté opposé, qui laisse le côté opposé systématiquement, et qui a permis à Rocaglia, de, justement sur le deuxième but, de lancer en profondeur du coup Alfarella entre Bokele et Barbé qui était complètement largué. Des choses qu'on avait déjà vues, que j'avais déjà repérées dès le premier match. On voit très bien que pour l'instant, même si c'est une idée de jeu qu'il faut arriver à maîtriser pour les joueurs, ben pour l'instant c'est pas maîtrisé. Et on le voit très bien que les joueurs n'arrivent pas à appliquer vraiment ce que veut mettre en place Albert Herrera depuis 3 matchs, et c'est ce qui est un peu inquiétant. Mais en même temps, quand tu mets un Zurico en tant que meneur de jeu qui n'a pas la capacité de l'être, quand tu mets Westbeck, deuxième attaquant, alors qu'il se plaignait déjà avec Guillaume qui était déjà trop haut, là il est encore plus haut. Quand tu vois comme Pedro Diaz, qui était plus, le seul joueur à peu près intéressant sous Guillaume, est devenu transparent et même marche sur le ballon à un moment donné là contre Bastia. Quand tu te prives de la force offensive aussi de Michelin, qui est obligé de recentrer pour rester derrière avec ses deux autres compères, quand tu mets un Bokele en défenseur axial et un Barbé en axe gauche dans une défense à 3, je trouve qu'il y a quand même déjà sur le dispositif beaucoup de joueurs qui n'étaient pas dans les bonnes dispositions sur ce match-là. Et à sa décharge, il a quand même rectifié le tir à l'heure de jeu avec la rentrée des Commis, qui a décalé pas mal de joueurs, notamment recentré Barbé et décalé Bokele dans l'axe. Donc, il y a quand même eu ce point positif-là, on y reviendra un petit peu plus tard. Mais je trouve que Riera s'est déjà beaucoup trompé dans ses choix de joueurs et que ses idées de jeu nous fragilisent encore une fois, plus qu'elles nous apportent. Demain, ça fera quand même un mois qu'il est là. Et ce qu'on voit est de plus en plus inquiétant sur le terrain. Comme ses deux derniers prédécesseurs, on a l'impression que plus ça va et plus ça régresse, même si c'est un temps beaucoup plus court pour lui. J'ai l'impression que l'équipe, depuis 3 matchs, elle régresse encore. C'est ça qui m'inquiète un peu. Et j'ai surtout des doutes depuis que j'ai vu son agacement lors de la conférence de presse après ce match au week-end, où il nous explique que Bastia n'a pas été meilleur que nous, qu'ils ont juste été un peu plus efficaces et que le football se joue sur des détails. Et qu'il ajoute ensuite un journaliste qui lui pose cette question-là, savoir si Bastia était meilleur que nous ou pas, qu'il n'a pas la même vision du football que lui, et surtout que c'est pour ça que lui est journaliste et lui coach. Quand je vois comment il perd patience et sa maîtrise déjà au bout de 3 matchs en conférence de presse, on comprend vite qu'il ne maîtrise pas tous les éléments de ce qui se passe, et que très sincèrement, j'ai l'impression que cet homme-là ne se remet pas en question facilement. On nous l'avait dit qu'il était comme ça. Ouais, c'est ça. Mais tu vois qu'il a ses idées de jeu, etc. Et tout. Mais la réponse qu'il amène comme ça, tu peux avoir tes idées de jeu, il n'y a aucun problème. Et cette réponse-là, aussi sèche ou aussi irrespectueuse auprès d'un journaliste, moi, elle me dérange. Surtout quand c'est le coach du club que je supporte. Voilà. Donc, pour moi, déjà, pour qu'il mette en place ses principes de jeu basés sur la possession, il va falloir quand même qu'il trouve de la complémentarité, de la complicité entre les joueurs et qu'il permette aux joueurs un petit peu de retrouver la confiance et du plaisir. Et là, très sincèrement, on en est très, très loin. Donc, je sais que ça demande de la patience, mais pour moi, depuis 3 matchs, il y a trop peu de points positifs. Et c'est ce qui m'inquiète sur le fait de me dire qu'avec le temps, avec Riera, ça va le faire. J'espère me tromper, mais sincèrement, déjà au bout de 3 matchs, et je ne suis pas trop du genre à me précipiter à ce niveau-là, à avoir un sentiment, on va dire, à juger aussi vite. Mais ça fait quand même 5 ans qu'on est déçu de ce club. Et là, je vous avouerai que déjà, il y a des choses qui m'inquiètent très sincèrement dans le comportement et dans le choix de ce coach-là. Voilà. Et j'espère me tromper, hein, mais c'est que mon avis. Et le troisième point, c'est que pour moi, enfin, moi, ce week-end, j'ai atteint un point de non-retour. Comme le dit Thomas, c'est qu'en gros, j'étais ni content, ni énervé, ni quoi que ce soit. J'ai pas été surpris, en fait, de ce qui s'est passé. Pour moi, en fait, parler des Girondins de Bordeaux, à la base, c'est quand même un véritable plaisir parce que c'est une passion qui m'a touché dès le plus jeune âge, que je ne suis pas allé chercher, qui est vraiment venue vers moi, j'ai cette sensation-là. Parce que les émotions que tu vis, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ben, ça te fait te sentir vivant, vibrer. Et parce qu'être supporter des Girondins de Bordeaux, tu te sens englobé dans quelque chose de collectif, de fort, de positif, un véritable sentiment d'unité. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, quand je fais le point par rapport à ça, j'ai l'impression que ce sont plus des bons vieux souvenirs agréables qu'autre chose. Quand je parle des Girondins de Bordeaux, il y a plusieurs étapes qui m'ont amené à ça et qui nous ont amené à cette situation-là. Mais la direction actuelle que je n'ai jamais portée dans mon cœur, on le sait tous, je ne m'en suis jamais caché, n'a jamais su redresser la barre sportivement et économiquement depuis son arrivée, peu importe les belles histoires qu'on nous a racontées par rapport à ça. Aucun joueur,
coach ou membre du staff recruté par leurs soins n'a su apporter quelque chose de positif et n'a su apporter vraiment ses qualités dans ce club ou a travaillé correctement dans ce club. Ils ont brisé quand même plusieurs vestiaires et ils ont carrément brisé la communauté pour moi des Girondins de Bordeaux. Et j'ai vécu sans doute, sous cette direction-là, mes plus grosses hontes avec les Girondins de Bordeaux, sincèrement. Je ne crois pas en ces gens-là. Je ne crois pas que ces gens-là puissent créer même un projet sain et durable dans notre club, parce que le club n'a jamais été aussi bas depuis des décennies, parce qu'ils nous ont menti à plusieurs reprises, parce qu'ils se montrent jamais quand on a besoin d'eux, et parce qu'ils ont déjà démontré qu'ils n'ont jamais eu la compétence pour atteindre les objectifs fixés. Donc, mon message maintenant est sans détour, parce qu'il n'y a plus de bouclier maintenant. Il n'y a plus de code, de joueurs, de ceci, de cela, de méchants, Rodès, etc. Et tout. Il n'y a plus ça. Maintenant, le message, il est clair pour moi, c'est direction, démission. Parce que sans ça, le club est voué à un nouvel échec qui nous fera encore plus de mal que les échecs précédents. Et pour s'en rendre compte, il fait pour bien s'en rendre compte, c'est que le prochain échec pourrait nous amener là où les Girondins de Bordeaux n'ont jamais été, c'est-à-dire de perdre leur statut de professionnel. Ça paraît fou, sportivement, je parle bien sûr, mais ça paraît fou, mais c'est une réalité. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on est plus proche du national que de la Ligue 1, qui était l'objectif principal il y a seulement 2 mois. Il faut s'en rendre compte de la situation dans laquelle on est. Et tout ça, oui, il y a eu GACP, oui, il y a eu M6, oui, ceci, cela. Mais depuis 3 ans, les personnes qui sont là n'ont jamais su remettre le bateau des Girondins dans la bonne direction. Il faut aussi qu'on s'en rende compte. C'est que GACP, c'est 1 an et demi. Longue épée, c'est 1 année. Eux, c'est 3 années. L'échec. Donc, le message, il est clair maintenant pour moi. Je vais militer pour ça. Direction, démission. Parce que sans ça, le club est voué à un nouvel échec maintenant. Il n'y a plus de bouclier. Merci, Joe. Donc, tes 3 enseignements, on a Bordeaux relégable. 9 buts en 5 matchs. Gênant, relégable dans une Ligue 2 qui n'est pas extraordinaire. Ben, c'est la pire équipe depuis 5 matchs en Ligue 2. Hein. La philosophie du foot et les principes de jeu de Rira qui t'interrogent. Et enfin, la direction qui, pour toi, n'apportera rien, qui dirige ce club aujourd'hui, qui n'apportera rien de positif aux Girondins de Bordeaux. Et tu demandes son départ. Mmh. Écoute, au moins, c'est très clair. Qui va enchaîner? Bah, va enchaîner après ça. Hein. Parce que, non, mais dans le sens, c'est très très complet. Et oui, juste. Oui. Limite avec Gino, se greffer comme quand tu fais un cadeau à des amis, se greffer sur les enseignements. Non, moi, à la limite, je vais essayer d'apporter d'autres points rapidement. Oui. Encore une fois, je souscris à tout ce qu'a dit Joe. Je vais essayer d'apporter d'autres arguments. C'est déjà par rapport au fait qu'effectivement Bordeaux est en train de creuser de plus en plus sa tombe et de s'enfoncer dedans. On le voit déjà avec le classement. Voilà, je pense que ça a été dit de manière assez factuelle, assez vraie. Mais aussi, moi, je trouve que, y compris sur le terrain, en fait, c'est symbolisé par ce que les joueurs font. Et on le voit. On dit souvent, ouais, mais Rira, il veut repartir de derrière tout le temps, repartir derrière tout le temps. À Bordeaux, on ne repart pas de derrière, on repart totalement derrière à chaque fois. On repasse constamment par l'arrière. On peut être à 25 mètres du but adverse. S'il n'y a pas une solution évidente, au lieu de tenter quelque chose, au lieu de prendre de faire preuve d'initiative, on va repartir sur Johnson. Et je trouve que c'est très symptomatique finalement, déjà des 3 ans de direction dont vient de parler Joe, parce qu'effectivement, les rares moments où on est reparti en dessous, c'était pour mieux repartir. Donc on est parti au-dessus, c'était pour mieux repartir en dessous. Et surtout, voilà, footballistiquement, moi j'ai vraiment du mal sur ces 2 derniers matchs, Bordeaux et Rodez et Bastia, à regarder cette équipe. On parlera de Rira dans l'émission, ne vous inquiétez pas, on va revenir sur ce qui marche. Il y a un thème dessus. Hein. Il y a un thème dessus. C'est pour ça que ne vous inquiétez pas, ce n'est pas pour le dédonner ce que je vais dire, mais c'est-à-dire que j'ai l'impression que Guillon, Rira, il y a beaucoup de différences encore une fois. L'attitude des joueurs avec ces deux coachs, elle est la même, c'est une attitude passive. De peureux, constamment de joueurs complexés, de joueurs mal dans leur peau. On repart tout de suite, c'est la sécurité, qui n'en est pas une d'ailleurs, parce que Grenoble a prouvé que repartir sur le gardien trop de fois, ça pouvait le mettre en difficulté, tu prends un but, pareil à Angers. On n'est pas loin d'être sur le même cas à peu près contre Rodez avec Kassubi. Donc ça déjà, moi j'ai ce gros souci, c'est encore une fois, et ça illustre bien la confusion qu'on fait souvent dans ce club. On confond sur le terrain, repartir de derrière, et ça c'est très important,
avec repasser constamment derrière. Et c'est pareil quand on fait la construction du club. On oublie que oui, il faut penser en bas, mais il ne faut pas tout le temps retomber justement en bas. Deuxième enseignement, ben c'est encore une fois dans la continuité que ce que Joe a dit, parce que pour moi, j'ai quand même l'impression qu'on est sur un état des lieux qui est encore une fois factuel ce qu'il a fait. Mais par rapport à Rira, il s'embourbe énormément. Mmh. Bourbe énormément dans le dans justement dans le calvaire bordelais. Il devait au contraire nous aider à nous en sortir et il est en train de s'embourber avec ce club, avec cette équipe, avec ses joueurs, avec cette direction. Moi, on l'a dit à son arrivée, hein, encore une fois, c'était un très bon coach. Enfin, en tout cas, c'était une très bonne idée, parce que le coach, on ne l'a pas encore jugé, pour le mois de juin. Voilà, si tu avais dû changer de coach en début de saison, c'était ce type de coach sur lequel il fallait compter, avec qui tu faisais ton mercato pour aussi faire un mercato en conséquence. Et c'était ça qu'il fallait. Mais même si, entre guillemets, son arrivée dans le timing n'était pas bonne, ça n'empêchait pas de se dire qu'avec ses idées, avec la qualité de l'effectif, tu allais pouvoir réussir à remonter la pente, à petit à petit à construire quelque chose et à le voir sur le terrain. J'ai l'impression que son dogmatisme à outrance est un de ses plus gros défauts de jeune entraîneur, parce qu'il arrivait, il a dit « Ok, ça ne marchait pas avec l'autre, moi je vous amène une méthode totalement différente, avec plusieurs systèmes, avec une différente utilisation du ballon, et vous allez devoir jouer comme ça, et je vous jure que dès que vous arriverez à jouer comme ça, vous gagnerez. » Malheureusement, même si encore une fois, je ne vais pas juger un entraîneur qui a des idées, je ne vais pas le critiquer pour ça, surtout quand on vient de se taper 2 ans de Guillon et juste avant Petkovic et juste avant Gassé, qui avait des idées jadis, mais qui n'en avait pas sur le dernier passage. Je ne vais pas critiquer un entraîneur pour avoir des idées foot. Par contre, ben à un moment donné, c'est aussi son taf de savoir s'adapter par rapport à la situation. Et on l'a vu en fin de match. Sur les 10 dernières minutes, même s'il y a un contexte, ben, s'il y a 3 buts d'avance, etc., machin. Ben ouais, mais juste le fait, en fait de replacer Michelin à son poste et Commis à son poste, tous les deux en latéral, d'avoir des attaquants, d'avoir un semblant de 4-4-2, même si je ne demande pas à ce qu'ils jouent comme ça, mais d'avoir une équipe déjà un peu plus structurée et adaptée, une équipe qui doit encore travailler et assimiler son système, il arrive déjà à coller un but à l'adversaire. Ce n'est pas grand-chose hein, par rapport à la rencontre, surtout vu le contexte et le timing à ce moment-là. Mais déjà, ça lui montre que si lui aussi s'adapte un peu plus à son groupe, peut-être que le mariage va rapidement, peu rapidement à voir, mais je pense que, et on en reparlera dans l'émission, il y a un gros souci qui est ailleurs, et qui est mon dernier point, et moi je vais militer aussi avec Joe pour direction d'émission, parce qu'on s'est contenté depuis 2 ans et demi, d'énoncer ce qui n'allait pas. On a reçu je ne sais combien d'insultes, de menaces, de je ne sais quoi pour ça, ce qui est fou hein, déjà. Mais bon, bref, passons. Ils se connaissent, ils se font très petits d'ailleurs. on les salue parce qu'on sait qu'ils nous regardent quand même, mais ils se font très petits depuis plusieurs semaines. Tout ça pour dire que on n'a jamais insulté, on n'a jamais demandé le départ, on a toujours dit qu'on allait voir, on a laissé le temps, on a pris aussi en compte les contextes de tout ce qui s'est passé au club depuis des années. Sauf qu'à un moment donné, moi c'est bien beau, mais cette année, qu'est-ce qu'on a dit ? Ils ont mis l'argent, ils sont tranquilles, ils vont pouvoir bosser. Ils ont fait leur choix de coach, ils ont fait leur choix d'équipe. C'est-à-dire que, autant les 2 autres années, tout le monde, les plus gentils, pouvait leur trouver des excuses. Mais cette année, il n'y a pas d'excuses. Et le résultat, c'est quoi ? C'est que c'est encore plus catastrophique que les 2 années précédentes. Et qu'est-ce qui se passe ? On a un président qui, à part pour être venu faire 1h30 de show la semaine dernière, là, Jérôme Commandeur, au Royan. À part ça, absent contre Rodez, absent ce week-end, pas la parole. Mais il est où, Gérard Lopez ? Il est où, son directeur sportif qui pète des câbles à la fin des matchs dans les zones mixtes et qu'on n'entend jamais dans les médias, à part une interview qu'il a dit à Sud-Ouest au bout d'un an et demi où il le harcelait ? Mais qui conseille ces individus-là ? Qui leur demande de ne pas respecter autant le club ? Moi, on va s'adresser 2 secondes à Gérard Lopez. Joe, il demande la démission de Gérard Lopez. Non, la direction. Pas le propriétaire. Bon, après, comme il est propriétaire et directeur, voilà. Il s'y est dans la lignée aussi, Nico. Je n'avais pas compris. Sur les mots comme ça, je termine vite et je laisse la parole. Pardon. La vérité, c'est qu'il n'y aura pas de démission de jour. Ce mec-là, et il le sait très bien dans son bureau aujourd'hui, et à part par un ego surdimensionné pour essayer de faire mentir les personnes qui le détestent, il ne fera pas le contraire. Si Bordeaux ne monte pas en Ligue 1,
ce qui, je pense, a de grandes chances de l'être. Non pas, et ça pour répondre aux gens qui me disent « Ouais, mais il y a 2 semaines, tu disais que c'est faisable. » C'est toujours faisable sportivement. Mmh. Avec ce qu'on a vu là depuis 2 semaines, je suis moins sûr. Il y a les mathématiques et il y a entre guillemets l'humain. Et l'humain me fait beaucoup plus peur que les mathématiques, pour le coup. Il partira, il le sait très bien que quand on va descendre en national, si ça nous arrive, il va nous tège comme des merdes. Désolé, je vais dire les termes. Pardon d'être aussi vulgaire et grossier. Demandez à Moucron. Pardon, papa et maman qui m'écoutent. Mais voilà ce qui va se passer. Gérard Lopez, c'est le mec qui nous aura bercé d'illusions pendant des années. Et quand on ne sera plus intéressant pour lui, quand on ne sera plus à la hauteur de ses fantasmes, il nous jettera telle une vulgaire poubelle. Et c'est ce qui va se passer à la fin de la saison. Parce qu'à un moment donné, oui, il a sauvé le club, etc. à l'époque et tout. Mais à chaque fois, c'était pour mieux le tuer. Gérard Lopez, c'est le mec qui a réanimé un cadavre pour mieux démembrer tout ce qu'il pouvait faire de sa propre part. Pour surtout pas laisser le mérite aux autres. Pour que ce soit sa signature. C'est GG. Donc voilà, donc à un moment donné, bien sûr qu'aujourd'hui, par son absence, par son incompétence, par ses choix, par son bilan, cette personne incarne à lui seul le désastre, la dégringolade, la mort des Girondins de Bordeaux. Et je pense qu'une fois qu'on sera mort... On n'est pas mort encore. Je suis désolé. On n'est pas mort. Et encore une fois, je suis le premier à vous dire que sportivement, c'est faisable. Mais ce que je vois en ce moment, c'est un cadavre. C'est un cadavre, Nico. Et ben, cadavre, alors, c'est quelqu'un qui est mort. On n'est pas mort. Eh oui, non, mais oui. On est un mort-vivant, si tu veux. Non, mais j'entends ce que tu dis, mais bon, on n'est pas mort. On est encore. Moi, je suis désolé. On apprend la direction, Nico, quand même. On apprend la direction. J'étais le premier à vous dire les semaines d'avant, et je le pense toujours, que sportivement, c'est faisable. De la nuance. L'effectif, qu'il y a beaucoup de qualité dans l'effectif, et qu'on est censé pouvoir largement le faire, et qu'on aurait dû être pas la 17e, mais la première place de cette Ligue 2. Mais quand je vois qu'avec tous ces ingrédients-là, avec tous ces moyens-là, avec tout ce qu'on possède aujourd'hui en notre matière, on est 17e et que de match en match, je sens que cette équipe, tous les fragments de lumière, les petites braises sont en train de s'éteindre, on est mort-vivant pour moi. On est un club mort-vivant et c'est incarné par Gérard Lopez. Et effectivement, je suis d'accord avec vous. J'ai l'impression que tant qu'ils seront là, et peut-être même après hein, d'ailleurs, parce qu'à force d'avoir eu un enchaînement de présidents qui ont tout pourri, c'est peut-être foutu. Hein. Mais j'ai vraiment l'impression que tant qu'ils seront là, on restera dans ce pétrin. Tu as donné ton avis. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez le dire aussi. Bah écoute, merci Sam. Ça part fort les enseignements. Désolé. Heureusement que c'est juste un complément de ce que j'ai dit. Ouais. Monsieur Gino Forte, tu peux faire aussi long, hein, Gino. T'es pas obligé de raccourcir. Hein. Tu dis ce que t'as envie de dire. Hein. On t'entend pas, Gino. Ah, le micro est. Attends, ton micro. Ah oui, vas-y, le micro est coupé. Vas-y. C'est bon ? Super. Oui, on t'entend. Non, ouais. Non, mais je vais partir sur le premier enseignement. Ça va rejoindre un peu Nico hier dans le débrief. Enfin, avant-hier. C'était que j'ai vu le match en avant-première. J'ai eu la chance de voir le match de Bastia avant qu'il soit joué, c'est-à-dire ce mercredi à l'entraînement des Girondins. Mmh. Alors pourquoi ? Je vais dire pourquoi j'ai vu le match de Bastia en avant-première. Et ça me choque grandement ce que j'ai vu ce mercredi. On a vu les principes de Riera avec ses innovations, ses relances notamment avec ses 3 axios, ses principes de jeu qu'il met en place. Mais surtout, ce qu'on ne voit pas pour moi, ce sont les fondamentaux. Et les fondamentaux, c'est en termes d'intensité que j'ai envie de dire, en termes d'exigence. Et ce qui s'est passé ce mercredi, pendant 45 minutes, notamment sur l'opposition, c'est exactement le début de match que j'ai retrouvé à Bastia pendant la première demi-heure. Exactement avec les mêmes mots, les mêmes problématiques. Et en finalité, en face de nous, une équipe corse, elle, qui a joué son jeu, qui a été vaillante, qui a été dans le combat, qui a été intelligente dans son pressing, parce qu'ils ont su nous presser bien comme il faut. Mmh. Et nous, on a fait exactement la même copie que ce mercredi sur les terrains d'entraînement du Haïan. Et ce qui m'embête le plus, c'est que on peut louper des entraînements. On loupe beaucoup de matchs en ce moment, ce qui est pire que louper des entraînements. Mais ce qui est pire, c'est de ne pas se rebeller, de ne pas entendre personne sur le terrain reprendre un tel ou un tel, avoir un staff technique très discret qui est dans une espèce d'échange. Alors l'échange, c'est important, surtout quand on vient d'arriver, mais quand on est trop dans la calinothérapie, c'est quand même compliqué.
je trouve que des leaders sont aussi à mettre en question. Et c'est mon deuxième point. Des joueurs qui sont totalement dans le déni. Quand on en parle avec les joueurs, quand on les critique, il y a une difficulté par rapport à ça. Ils ne peuvent pas être en capacité de se dire qu'en ce moment, les joueurs sont d'un niveau exécrable. Et l'engagement qu'ils mettent l'est tout autant. Et c'est ça qui me choque le plus. C'est qu'au-delà de louper des choses, c'est que l'intensité, l'engagement qui est mis par les Girondins de Bordeaux n'est pas digne du club. Et ça, c'est sûr. Et ça, on peut mettre beaucoup d'attentes sur l'entraîneur, ce qui est logique. On doit lui demander aussi des résultats et des choses à amener. Mais je trouve que les joueurs devraient se remettre très largement en cause, parce que ça fait plus de 3 mois maintenant qu'ils sont lancés dans cette saison. Et ce que l'on voit, ce n'est pas admissible en termes de performance et en termes d'engagement. Pas admissible. Et le troisième, ce sera plus global et ça rejoindra un petit peu ce que disaient très bien Joe et Sam. C'est le sentiment d'abandon qu'il y a dans ce club. Et je vais donner 2 petites anecdotes, mais j'étais au match des féminines ce samedi. Et pour avoir discuté avec un ancien adjoint du club il n'y a pas si longtemps, l'image des Girondins de Bordeaux, elle est ternie d'une manière qui franchement me laisse très triste, et pas qu'à moi. Je trouve qu'on est devenu une plateforme à avoir des jeunes qu'on sait qu'ils vont partir très vite, et c'est ce qu'on nous dit. Donc moi, ça me fait mal au cœur. Quand on a une ambition d'être un club formateur et qu'on nous dit que l'année prochaine, on va perdre énormément de jeunes, que ce soit pour les garçons, mais pour les filles, encore plus. Et au-delà de ça, c'est les personnes que l'on croise aussi, qui sont proches du club, qui se disent inquiètes, pour avoir croisé une personne du comité 1881, qui se disent très inquiètes. Mais moi, j'aimerais que ces personnes, au bout d'un moment, qu'elles s'expriment, qu'elles fassent ce qu'elles doivent faire et qu'elles interpellent le président, la direction, pour qu'il y ait des choses qui bougent, parce que ce n'est pas normal qu'on soit dans cet état si tôt dans la saison et que nous, on soit vraiment très, très inquiets, contrairement à beaucoup au sein du club. Eh bien, merci Gino. L'avant-première du match que tu as vu, une copie-collée, un copier-coller du match de ce que tu as vu à l'entraînement, le déni des joueurs et le sentiment d'abandon qui est global, oui, du club. Dans le global, club. Dans et à l'extérieur du club, quoi. Chez les supporters et dans le club. Bon, mais messieurs, on attaque fort. Thomas, je t'écoute. Est-ce qu'il y a des messages que tu souhaites relayer qui ont été publiés sur le chat? Alors oui, j'ai 3 messages. Victor dans son sort. On promet enseignement, ses enseignements. Logan a fait un doublé. Direction et directeur sportif incompétent. Hein. Il a mis du temps cette saison, mais là il est bien lancé. Mais il a mis du temps. Parce qu'il était titulaire au départ, il a été remplaçant et là il revient. Et que Vivi va mieux aussi. Donc il y a quand même effectivement, on va dire, une cause à effet là-dedans. Mais en tout cas, ces 2 derniers matchs sont plutôt intéressants. Il est devenu décisif en plus, donc c'est bien. Moi, je trouve que c'est un bon prêt parce que au moins, il joue, il marque des buts, il se fait du temps de jeu, il se fait de l'expérience, il a bien fait. Quand on aura besoin de 5 millions pour que la DNCG valide notre maintien en national, ce sera bien de vendre nos barrières. Ouais. Ça nous fera 2 millions en plus. Hein. Merci à Victor Dos Santos, qui est un fidèle des émissions. Bon, j'ai un message de Tirteo qui dit « Je n'ai jamais vu des joueurs aussi perdus sur un terrain. En fait, ils n'ont rien compris aux consignes. Le QI foot est inexistant et Réa joue à l'apprenti sorcier. » Ouais. Vous partagez ? Ça n'apprend pas quand même de ses erreurs. Très sincèrement, Dien Simba, des Westbeck et Livolan qui n'ont pas de QI foot, j'y crois pas trop. Après, par contre, je vois moi des joueurs qui sont effectivement pas motivés par ce qu'ils font et qui sincèrement ne se mettent pas pleinement dedans. La seule chose moi qui m'inquiète dans tout ça, c'est que j'ai l'impression qu'il y a des joueurs qui ont des rôles hybrides. De Lima, je ne sais pas si c'est un milieu, un attaquant ou un défenseur par moment, sincèrement. Pedro Diaz, défensivement, je ne sais pas ce qu'il doit faire. Il est à la rue défensivement. C'est un bon joueur de ballon, mais dès qu'il faut effectivement défendre, c'est un peu plus compliqué par exemple. Zurico Davidashvili en meneur de jeu, quel est l'intérêt de ce joueur-là à ce poste-là, vu qu'il ne lève jamais la tête? Enfin, à un moment donné, il y a quand même des... C'est pour ça que je disais au départ, et Barbé, axe gauche, Bukele, en centrale, pendant 60 minutes de jeu, ouf, mais
Comment tu peux avoir cette idée-là, en fait? Eh bien, c'est ça la problématique, Joe. Ça, Voilà, on peut au moins on peut tenter se des poser choses, des hein, questions. mais il y a un moment donné, je trouve qu'il y a quand même des choses qui sont tentées, moi, que je ne comprends vraiment pas. Donc, il y a des rôles que je ne comprends pas pour l'instant. Une dernière question? Alors, c'est pas une question, c'est plutôt une remarque. Haruna, un habitué évidemment du talk, qui a dit Bastia joue avec ses qualités et Bordeaux se prend pour ce qu'il n'est pas. Moi, je suis pas d'accord. Enfin, je suis d'accord avec Bastia joue avec qualité, mais Bordeaux se prend pour qui en fait sur le terrain? Enfin, moi, c'est je vais aller Non. plus loin que je vais plus loin que le Vas-y. raisonnement d'Aruna. C'est que moi sur le terrain, j'ai pas l'impression que Bordeaux justement se prenne pour qui que ce soit. Et c'est ça le Mais problème en fait. dans la mentalité, je pense que si, Sam. C'est-à-dire que je pense que les joueurs, moi, je le perçois comme ça. Et franchement, là, ça m'a paru criant cette semaine. C'est-à-dire, ils ont l'impression qu'ils sont dans une bulle où Riera leur apporte une dimension tactique, peut-être sur certains postes, en leur donnant une grande confiance en eux, parce que les mots de Riera, ils sont forts sur certains joueurs, et notamment en les repositionnant à des postes pas attendus. Je prends l'exemple de Michelin, c'est très surprenant ce qui se passe avec Michelin. Ouais. Enfin, moi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, je trouve que c'est très surprenant. Bon, si tu veux, on peut faire une liste, il n'y a pas que Michelin. Oui, mais c'est Un un parfait exemple exemple, type. ouais. Un parfait Pourquoi? exemple. Parce que il dit Clément Michelin, que moi, je trouve personnellement très performant plutôt sur son couloir, parce qu'il est capable d'amener des centres. Et d'ailleurs, le but arrive de là. Mais bon, et il dit, c'est un numéro 10. Waouh, ouh là là, quand j'entends ça, moi, ça me fait mal. Hein. Parce que déjà, Clément Michelin, on Non. a besoin d'avoir de l'exigence envers lui. Il n'a pas fait une saison complète aux Girondins dans la performance. Il est plutôt positif depuis le début de la saison. Mais là, on le met dans un nouveau rôle. Rôle qui va être quand même compliqué sur le match de Bastia, parce qu'on voit que la relance, c'était Ouais. compliqué pour Clément Michelin. Peut-être qu'il y arrivera, Il fait mais l'erreur sur le premier il but. fait l'erreur sur Ouais. le premier but. Et on le voyait que sur l'entraînement, peut-être qu'à terme, il y arrivera. Moi, je dis pas que c'est infaisable, mais il amène quand même des solutions et des choix très particuliers. Et pour les joueurs, je pense, moi, dans leur tête, moi, ce que je ressens, c'est qu'ils se disent, Riera nous amène ça, il nous met quelque part en confiance. Mais sans être très dur avec eux, je trouve qu'il n'est pas très exigeant en termes ouais, de quand même d'être sur eux, d'être près d'eux et de dire au bout d'un moment, on n'est pas dans ce qu'il faut, quoi. Et ils en oublient l'intensité et l'engagement. Et la Ligue 2, c'est quoi? C'est quand même de l'intensité et de l'engagement. Comment tu fais un match face aux Corses avec une première demi-heure comme ça dans l'intensité et l'engagement? C'est une honte ce qu'on voit Oui, samedi. bah, tu C'est pour leur dis ça à que l'entraînement moi je vais. l'intensité, si tu comprends rien, tais-toi. Moi, je trouve que je leur donne un peu d'importance pour le côté tactique, parce que moi, en fait, j'ai l'impression juste que ces mecs-là ne comprennent rien et on n'en a plus rien à faire. En fait, moi, samedi, Je je sais n'ai pas. pas vu un collectif. J'ai pas vu une équipe Ah, qui est ça, ensemble. oui. J'ai pas vu des joueurs qui lèvent la tête et qui sachent où est leur copain. Parce que, pour le coup, encore une fois, plein de choses à dire sur ce que Riera fait et comment il utilise les joueurs. Bon, il y a quand même des joueurs. On en parlera après, mais l'utilisation de Welbeck sous Guillon et sur Riera, quand on sait pourquoi on l'a recruté et pourquoi on souhaitait son arrivée l'an dernier, on n'est pas loin d'être sur un hors sujet. Mais on en parlera après. Mais pour le coup, moi, je trouve que les idées qu'amène Riera sur le terrain, on l'a vu contre Angers, contre Rodez et contre Bastia, ça peut te permettre de déstabiliser une équipe. Pour moi, hein, je trouve qu'il y a eu des Oui, choses assez ah, intéressantes ça oui. notamment sur le premier match et les 25 premières minutes contre Rodez. Mais par contre, là où, et c'est pour ça que moi, ce que je disais tout à l'heure, Riera, il doit sortir un peu de son dogmatisme stéréotypé, c'est qu'à un moment donné, regarde avec quel joueur tu joues. Et je pense que même si j'aime les entraîneurs qui ramènent une idée foot et qui disent aux joueurs, vous allez vous adapter, vous êtes des joueurs de foot, ça va marcher, une fois que vous allez maîtriser le truc, ça va rouler, vous allez vous habituer. Je pense aussi que dans la situation dans laquelle il est, il doit aussi regarder et s'adapter. Non seulement au niveau de ses joueurs, mais surtout à leur mentalité et à leur forme du moment. Et à comment je vais les challenger? Qu'est-ce qui fait que je vais remettre ces mecs-là la tête à l'endroit? Ces mecs-là n'ont aucune confiance et ces mecs-là, j'ai l'impression, tous sont en train de se dire, qu'est-ce que je fous dans ce bordel? Trouve quelque chose qui les unit sur le terrain. Là, encore une fois, quand tu On décides, en je le disais, parlera dans les solutions tout à l'heure. mais quand tu décides de mettre Zourico en 10, bah, c'est Ah, mais sûr que c'est un collectivement, choix. tu vas pas créer grand-chose, hein, parce que de toute façon, dès qu'il a le ballon, il va, s'il pouvait aller dribbler, si samedi il avait pu aller dribbler, Le poteau de il corner, il dribble.
Et toute l'île de beauté et revenir avec le ferry à Marseille, il serait revenu. Tu vois, c'est compliqué, oui. C'est ce que je dis, hein. C'est un détail dans tout le problème. Mais le problème, c'est qu'à partir du moment où quand tous ces détails qui s'accumulent et des choses qui ne sont pas faites pour, un, mettre les joueurs en valeur, deux, les mettre en confiance, trois, leur donner une idée collective de ce qu'ils vont faire, c'est compliqué. Et là, pour le coup, oui, il y a Riera, mais il y a aussi tout ce qui se passe autour du club depuis un an et demi aussi. Joe, merci Thomas pour les questions, c'était super. Merci à ceux qui nous regardent de les poser. Mmh. Le 11 de Riera face à Bastia, c'était ça. Ouais. Voilà. Si tu peux, Thomas, tu peux remettre juste la dernière question, s'il te plaît, là, qui a été posée, là, dont on vient de répondre, s'il te plaît, si tu l'as encore. Je sais pas si tu l'as encore. Ah non, Thomas, c'était, je sais plus ce que c'était. C'était que Bastia a joué avec ses forces et que Bordeaux, oui, entre guillemets, se prend pour quelqu'un d'autre, en fait. Ouais, c'est ça. Oui, Aruna. Voilà. En fait, j'ai vu le match de Bastia, le match précédent de Bastia contre Guingamp. Et j'ai vu celui contre Bordeaux. Face à Guingamp, j'ai un échange avec Jean-Étienne que tu as interviewé, Nico, cette semaine. Jean-Étienne Landini de l'USJ, voilà. Furiani. Voilà, qui est un coach de foot, qui connaît très bien le foot et qui est un supporter de Bastia et qui était au stade ce week-end. Il m'a dit, la semaine avant le match, il me dit, je ne sais pas comment on va réussir à vous marquer un but. Moi, je lui dis, effectivement, j'ai vu le match contre Guingamp, vous ne proposez rien. Régis Bouard, il est perdu, il est dans son système, il est fermé dans son système, voilà. On te dit, Bastia va jouer avec de l'intensité. Les deux derniers matchs que j'ai vus, c'était à Rodez et contre Guingamp. Ils n'ont mis aucune intensité dans leur match. Tu vois qu'ils ont craint Rodez et qu'ils ont craint Guingamp. Et ce qui m'inquiète, c'est que Bastia, qui est une équipe qui était sans doute aussi médiocre que nous avant ce match, ils ne nous ont même pas craint. Parce qu'ils savaient très bien comment nous prendre, en fait. Du coup, ils savaient très bien quelles étaient nos faiblesses. Ils savaient très bien sur quoi appuyer. Ils l'ont parfaitement fait. Et on en a parlé avec Jean-Étienne, c'est qu'on s'est dit, si le premier quart d'heure, Bastia met l'intensité, vient nous chercher et nous met un but, on est foutu. Et c'est ce qui s'est passé, en fait. C'est que t'as pas besoin d'être un vrai coach, comme le dit Riera, t'as pas besoin d'être tout ce que tu veux et tout. Tu regardes Bordeaux à l'heure actuelle, tu es l'adversaire, peu importe les forces que tu as. Les faiblesses de Bordeaux sont tellement criantes que les équipes en face nous craignent même pas, ils savent très bien comment faire avec nous. Ils le savent. Bastia a fait peut-être son meilleur match, et le match n'était pas fabuleux de leur part, hein. Mais ça faisait quand même quelques matchs et c'était très très moyen dans le jeu. Là, ils nous ont mis la misère dans le jeu. Et au milieu, un mec comme Tom Ducrot, quand tu vois comment il a ratissé les ballons, ça n'a rien à voir. Avec Jeannet, le jeune, mais surtout lui, qui est le meilleur récupérateur de Ligue 2, il récupère le ballon, il se relève de suite, il relance, il repart de l'avant, etc. Et tout. Si on pouvait avoir un joueur comme ça au Girondins de Bordeaux, je l'ai souvent dit, un 6 qui équilibre un peu et qui nous protège la défense, ça nous manque grandement. C'est pas Kassubi, c'est pas Pedro Diaz, c'est pas Nianteco qui vont le faire. Quand après, tu vois ce joueur-là. La Bordeaux, il est catastrophique. Hein, comme ça se trouve, voilà, c'est peut-être, ça. Peut-être, oui, mais dans le contexte, bien sûr. Mais dans ça, l'engagement. Alfarella, moi, j'ai rien contre lui, mais c'est quand même faiblard. Ouais, mais collectivement. Le deuxième but, il vient de lui. Voilà. Collectivement, dans l'état d'esprit, il n'y avait rien à voir entre les deux équipes. Et pourtant, moi, je suis d'accord, Joe. Cette équipe de Bastia. C'est pas, elle est plus faible que l'an dernier. Hein. Ouais, mais complètement. On est d'accord, Joe. Hein. Parce que moi, ça m'a paru bien plus faible hein, que l'an dernier. Mais il y a pas Vande de Kerkhove. Ah, mais c'est pas large. Hein. Et encore, c'est peut-être le meilleur match qu'ils aient fait cette saison. Hein, je te le dis. Hein. Tu peux demander. Et en plus, c'est peut-être le meilleur match qu'ils aient fait. Si tu vois le niveau de Magri en Ligue 1, tu comprends ce que tu as perdu. Hein. Ouais. On le voulait pas, nous, Magri, cet été, on le voulait pas. Non, mais ça en dit beaucoup. Mais eux, ils ont fait leur match à 100%. Ouais. Ils se sont donné les moyens de le gagner. Voilà. Pas nous. Et donc, après, ouais, Nico, tu parlais par rapport à la composition. Du coup, et la compo de départ qui ressemble plus ou moins à ça. Ouais, alors après, c'est toujours pareil. C'est que je me demande si Westbeck est deuxième attaquant ou si plus bas, tu as ce côté, entre guillemets, quand on est en phase défensif, il faut qu'on aille bloquer un côté. Donc tout le monde va d'un côté et on délaisse un peu l'autre côté. Donc tu sens que Westbeck va plutôt à droite et quand c'est à gauche, c'est David Tejvili qui sort et Westbeck qui recentre, etc. Donc pour moi, la compo, de toute façon, déjà dès le départ, elle n'est pas bonne. Ça, je suis désolé. Mais Nsimba. Quand tu vois le match contre Rodez, je l'aurais pas fait jouer déjà. Bokele en axe gauche, etc. Et tout. Ça, c'est en phase défensive, on va dire. En phase offensive, du coup. Après, en phase défensive, on passe sur une défense à 4, etc. Donc, c'est quand même assez mouvant. Ce qui a été intéressant de la part de Riera, et c'est peut-être son seul point positif, c'est le changement qu'il y a eu à l'heure de jeu quand il a fait rentrer, du coup, Jacques Écomier. Voilà, justement, Nico, merci. Tu vois très bien que Barbé reprend sa place en axial. Bokele va sur un axe droit qui est
quand même plus préférentiel. Et tu as Michelin qui récupère son couloir. Et du coup, tu inverses de Lima, qui lui, à la base, est meilleur à gauche, alors qu'il était à droite au départ dans la composition. Rien que ça, déjà. Alors après, il y avait 3-0 pour Bastia, etc. Toujours, quand tu es en phase défensive, c'était beaucoup mieux, bien sûr. Les mecs qui connaissent leur poste. C'est-à-dire que voilà. Si ça arrive la droite, tu glisses, tu as de Lima, bon, qui n'est pas forcément latéral, mais qui peut jouer Ekomie, qui peut jouer central, Barbé, Bokele, qui connaissent. Et de l'autre côté, là, c'est parfait, tu as une défense. Donc là, au moins, tu défends avec des joueurs qui connaissent leur poste. C'est plus équilibré, on le sent. Même les joueurs, tu sens très bien qu'ils ont plus de repères, qu'ils se repèrent plus par rapport aux autres, etc. Et tout. Voilà, tu vois très bien la différence. Déjà, rien que par rapport à ça, en fait, rien que par rapport quand tu mets des joueurs dans leur rôle et dans leur poste, en fait. Et t'as des rôles qui sont tellement hybrides. De Lima, comme je dis, je ne sais pas ce qu'ils jouent. Zurico et Westbeck, on ne sait pas vraiment ce qu'ils jouent. Zurico qui va dans le cœur du jeu chercher des ballons très bas à un moment donné. Quand tu sais que le mec, il lâche pas un ballon après minimum 10 touches. S'il vient chercher le ballon dans notre moitié de terrain, on est en danger complet parce qu'il va se prendre le ballon une fois sur trois, voire une fois sur deux, facilement. Donc voilà, Vipotnik, il était tellement esselé par moment et tout le bordel et tout. Fait, il lui faut du soutien aussi à ce mec-là. Il y a un moment donné, tu peux pas. Voilà, je sais pas. Westbeck, encore une fois, qui fait un match plutôt intéressant contre Rodez, après, même malgré son placement. Mais hein. Westbeck, il doit pas être là, il doit pas être aussi haut, il doit être dans le cœur du jeu avec Diaz. Mais ça, c'est... Je suis désolé, à un moment donné. Et t'as les deux coachs qui font la même connerie. Là, tu te dis, mais comment ça se fait que. Et un coach qui va te dire en plus qui connaît mieux le foot que le journaliste ou que tout le monde. D'ailleurs, ben, quand je vois ça, mon coco, ben, je crois qu'au niveau du foot, on peut avoir quelques échanges intéressants. Non, mais surtout Nico, surtout ici d'ailleurs, mais avec d'autres supporters aussi. L'an dernier, quand on regardait la Ligue 2, qu'on regardait Sochaux et qu'on regardait le Bordeaux avec Franck Sergio, qu'on voyait à part les 5-6 matchs potables où il avait envie de jouer, les performances lamentables qu'il a accumulées match après match, et qu'on voyait le positionnement, l'utilisation et l'activité de Wiesbeck, on disait, c'est un mec comme ça qu'il faut à Bordeaux. Encore une fois, monsieur effet d'annonce, Gérard Le Zéro qui nous annonce... Arrête. Mais le jour où il met 40 millions, qui nous dit, ah ben voilà, j'ai recruté Wiesbeck, vous êtes content, c'est moi le meilleur, je sais, parce qu'on l'avait demandé, pas une idée de la direction. Mais si c'est pour en faire ça, mais en fait, allez. Mais si vous voulez un mec, un deuxième attaquant, qui ne participe pas à la création du jeu, qui ne peut pas partir de plus bas, qui ne peut pas essayer de combiner avec Vipotnik et David Tachvili, ah ben faites jouer Badji en fait. Faites jouer Elis. Pourquoi vous avez pris Westbeck ? Même Livola. Je vais te dire, même Livola, ce poste-là. Livola, c'est plus logique pour moi déjà. Mais prenez un autre joueur que Westbeck. Vous êtes allé chercher, en termes de création, ce qui se fait de mieux dans le championnat, dans un chapeau 1 avec 4-5 joueurs. Avec notamment en Ligue 2, ceux qui sont descendus, etc. Vous êtes allé chercher du caviar pour le foutre sur un kebab. Mais ça sert à quoi, en fait ? Non, mais et en fait, ça s'accumule et c'est toujours comme ça. Après, et Westbeck, ouais, Gino. C'est symptomatique. Après, oui, j'entends, mais Westbeck, j'ai plus de réserves sur Westbeck parce que je trouve qu'il est en situation d'avoir des ballons et de donner des ballons, et notamment sur ce match encore. Et il n'est pas toujours performant dans ça. Il n'est pas face au jeu, Gino. Il n'est pas performant, Sam. Pas tout le temps. Pas tout le temps. Je regarde l'ouverture pour Vipotnik, qui n'est pas bonne. Qui décale sur la gauche, alors qu'il est plein axe, Westbeck. Il a trop peu de ballons. Ouais, mais il a une frappe. À un moment donné, il a une frappe. Il tire à côté. Il cadre pas. Moi, je veux bien, mais il a quand même certaines limites depuis le début de la saison. Ouais, mais c'est aussi aux joueurs. Mais qui n'avait pas Sochaux, Gino. Oui, mais je veux bien, mais il est quand même dans une équipe où il est en difficulté, on est d'accord, dans le collectif, dans la cohésion, dans pas mal de choses. Ça, c'est clair. Maintenant, il arrive quand même dans ce championnat de Ligue 2 à avoir des opportunités. Et je trouve que ces opportunités, il les gère pas très bien quand même depuis le début de la saison. Ça, c'est une réalité quand même. Enfin, moi, je veux bien. Mais il n'est pas très décisif, Westbeck, depuis. Il a marqué plus de buts que Vipotnik, si tu vas parler. Notamment dans la passe. Moi, ce qui m'embête, c'est que c'est un joueur, normalement, qui est là. Mais c'est pas ce qu'on lui demande, Gino. C'est pas ce qu'on lui demande, Gino, sur cette composition-là. On lui demande pas d'être passeur. Non, je ne suis pas totalement d'accord. Je ne suis pas totalement d'accord, Jo. Parce que regarde, il est derrière. Mais il est quand même derrière Vipotnik. Il est derrière Vipotnik aussi, à un moment donné. Il est à la même hauteur que Vipotnik sur la composition. Mais derrière ou devant, ils sont il y a des moments où il arrive à être derrière, être un peu derrière et pouvoir donner des ballons par rapport à ses déplacements. Ils sont, oui, il est derrière
technique, mais pourquoi pour faire un relais, quoi, tu vois ce que je veux dire, ils sont, les pauvres, ils sont... Non, mais après, il y a des problématiques collectives, mais individuellement aussi, il y a des difficultés individuelles, comme Jurico. Je trouverais plus logique qu'on tente Weisbeck devant la défense que de le faire jouer là où il est. On est d'accord. Pour te dire, hein, parce que pour le coup, si à un moment donné, tu veux qu'il influe sur ton jeu... Et parce que c'est la seule raison d'avoir recruté Weisbeck. Sinon, il fallait garder Maja ou il fallait garder un autre joueur. Mais Weisbeck, c'est pour que, comme quand tu as pris Diaz, il est là pour t'accélérer le jeu, pour distribuer. Weisbeck, il est là pour le penser. Si tu lui demandes d'être à la dernière passe et que surtout cette dernière passe, elle n'arrive jamais parce qu'il est à côté d'un joueur qui ne touchera pas un ballon, qui est encerclé par 5 défenseurs à tous les matchs. Et encore, il a réussi à le faire un petit peu contre Nes, tu vois, mais Botnik, pareil. Mais c'est pour dire qu'encore une fois, l'utilisation et la mise en confiance avec ses joueurs, avec deux coachs différents, avec la même direction, je me demande qu'est-ce qu'on fout, quoi. Et surtout, est-ce qu'il n'y a pas un mec au club qui se pose la question? C'est bizarre que les deux coachs l'alignent au même endroit. Moi, c'est, on peut se poser la question. Oui. Je pense beaucoup à toi, Nico. Pour échanger, oui. Allez lire sur Web Girondin, vous tapez Eric Guérit, Web Girondin, il y a l'article sur Eric Guérit. Eric Guérit, qui c'est un ancien entraîneur, joueur des Girondins de Bordeaux, recruteur, qui était l'année dernière dans le staff. Il est revenu au terrain 2 FC Sochaux, donc il a passé toute la saison avec Gaëtan Weisbeck et il explique. Son meilleur poste, et c'est ce que son meilleur poste, c'est plus bas. Reculer, il a besoin de toucher des ballons. Voilà. Et le joueur au maximum. Voilà. Je le verrais plus en 6 qu'en 9. Question de Benoît. Un milieu relayeur, peut-être. Mais à côté de Kasubi, par exemple. Ou à côté Question de Benoît, que je salue, qui est socio, qui m'a contacté avant pour poser une question. Il voulait intervenir, mais je n'ai pas fait intervenir pour ne pas perdre du temps supplémentaire sur l'émission. Il dit, que pensez-vous de Johan Kasubi? Parce que pour lui, Johan Kasubi, il n'est pas convaincu, Benoît, des prestations de Johan Kasubi. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Gino, commence. Après, il est light. Pour l'instant, il est très light, Johan Kasubi. Moi, je pense qu'il veut bien faire. C'est pas... Je suis pas sûr que ça soit un mauvais joueur, mais dans l'intensité, dans l'agressivité, dans le fait qu'il soit en confiance aussi pour ressortir des ballons, c'est quand même pas facile pour lui. Et on voit que voilà, dès qu'il y a de la pression, dès qu'il y a de la difficulté, il est capable de commettre des erreurs. Donc c'est là où je trouve ça dommage, parce que l'un dans l'autre, je préfère moi avoir Kasubi qu'Ignatenko, par exemple, par rapport à ce poste. Parce que ça correspond plus à ce que veut faire Riera. Et je pense qu'à moyen long terme, si on arrive, mais c'est la difficulté aussi, à lui redonner cette confiance et à avoir que collectivement aussi, on soit bien meilleur dans le jeu, ça pourrait être bien mieux. Mais à l'heure actuelle, les performances de Johan Kasubi, elles sont pas bonnes. Okay. Et elles sont insuffisantes. Je ne vais pas tous vous donner la parole. Qui a un avis différent de ça? De ce que vient de donner Gino. En fait, très rapidement, en fait, il y a deux manières de juger Kasubi. C'est rapidement. Juger le joueur de Ligue 2. Et dans ce cas, effectivement, on est obligé de dire que ce n'est pas bon. Ce n'est pas au niveau. Et en fait, il y a la deuxième manière. C'est de se dire qu'en fait, Kasubi, c'est un jeune joueur qui n'a pas joué depuis un an, qui a pétri de qualité, mais qu'il faut physiquement et tactiquement remettre en forme pour pouvoir en profiter et peut-être en tirer des belles choses à l'avenir. Comment tu veux que ce joueur-là réussisse à remonter cette pente dans ce collectif? Et c'est ça, en fait, c'est ça qui fait que chaque week-end, quand je le vois jouer, que j'ai beaucoup de choses négatives à dire sur lui, mais que je vois quand même des intentions intéressantes, je me dis, en fait, si je pouvais le juger de la deuxième manière, et c'est ce qui aurait dû être le cas dans ce collectif à la base, ce serait encourageant. Et si je dois le jouer comme aujourd'hui, un mec qui doit être titulaire dans une équipe qui est en danger, c'est très mauvais. Joe, tu vas ajouter un truc? Ouais, j'irai même plus loin, c'est que quand tu regardes le système de Riera, tu vois très bien que quand tu as le ballon, tu as les trois centraux et tu as Kasubi qui est devant. Donc tu as la 4 qui reste en place et tu as les autres qui se projettent. Le rôle du 6 chez Riera dans ses autres équipes était prépondérant dans ses systèmes de jeu et notamment dans la possession du ballon. Que ce soit Kasubi, Ignatenko, aucun n'a le potentiel pour occuper ce rôle-là parce qu'ils n'ont pas l'intelligence de jeu et actuellement ils n'ont pas la capacité techniquement d'apporter ce que demande Riera à ce poste-là. Alors, c'est le quatrième capitaine, etc., et tout, pour lui donner un peu de confiance, de machin, tout ça et tout. Mais pour moi, Kasubi est un joueur de complément parce qu'il a joué à New York 6 mois depuis qu'il a commencé en professionnel. C'est tout. Depuis, il n'a rien prouvé au niveau professionnel. Pour moi, tu prends ce joueur-là, à la base, c'est un joueur de complément. Tu ne peux pas t'appuyer dessus. Et ça se voit à l'heure actuelle, il n'a pas le niveau. On l'a vu contre Rodez, dès qu'il, le premier but, malheureusement, il est pour lui, mais parce qu'on ne lui parle pas. Derrière, le public l'a pris en grippe
très sincèrement, ça a été très dur pour lui. J'ai trouvé moins dans le dur quand j'ai revu le match à la télé, mais au stade, il avait très rarement la tête relevée. C'était très inquiétant. Et quand tu vois le contexte actuel et ce que demande Riera par rapport à ce poste-là, malheureusement, qu'a subi Niatinku, même un Sissoko, hein. Je ne vois pas un joueur qui est au niveau. La seule alternative que j'ai, c'est Biumla, que je n'ai pas encore vu à ce niveau-là aussi. Encore une fois, donc, ce n'est pas une certitude. Super. Bon, messieurs, c'était la question. On clôture le match pour parler de Riera. On a déjà dit beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous en pensez? On a déjà fait rire avant. Oui. Alors, j'aimerais C'est vous quand lire. même pas pour les rires, moi, du coup, j'étais perdu. Non, c'est juste que j'aime. Moi, par rapport à Riera, juste un truc, c'est quand même. On Quand va il est parler de arrivé. Riera. Hein. Oui. Ah ouais, mais on en reparlera après, du coup, c'est bon. Oui, on C'est va bon. parler Oui. puisqu'il y a le thème sur C'est vrai. Riera Donc, on qui verra est le après. suivant. Pourquoi Albert Riera est-il en échec? C'est celui juste après. Ça vous va, messieurs? On fait comme ça? Oui, on fait comme Oui. ça. Tom, tu vas ajouter quelque chose? Non, ça a été tout dit Non. déjà. Bon, j'ai promis à Ahmed de lire son courrier. Alors, je vais le lire. J'ai essayé de m'appliquer pour le lire. C'est pas long, hein. Rassurez-vous. Ah C'est un quart d'heure. Non. bon. Voilà. Alors, j'essaie de m'appliquer pour lire. Donc, je cite Ahmed. Il nous dit: Bonjour, je supporte les Girondins depuis 1982 et je n'ai jamais vu cela. Je ne comprends pas déjà pourquoi avoir conservé Monsieur Guillon depuis que je suis le foot. Et Dieu sait qu'à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Si vous échouez dans une mission, c'était terminé. Or là, il a échoué dans la mission maintien et malgré cela, il est maintenu. Alors, dit-il, notre cher président nous explique qu'il n'a pas pu le juger en ayant hérité d'un vestiaire pourri et que Guillon connaissait bien la Ligue 2. Allez, nous dit Ahmed, je peux l'accepter. Mais alors qu'on était second du championnat à deux matchs de la fin, alors que Bordeaux devient la première équipe à avoir ce classement à deux matchs de la fin à ne pas monter, il le reconduit et ensuite il tarde à s'en séparer. En plus, je m'attends à un recrutement logique, un Antonetti, un Courbis, un Girard, un Montagnier, et là, il va nous chercher Riera. Mais comment vous pouvez l'expliquer? Mais je ne comprends rien à ce que Riera explique. Il se répète comme une machine détraquée, il change de système à chaque fois. Bref, on va droit en national, nous dit Ahmed. Car connaissant notre président, soit il va être dans le déni en nous expliquant qu'il vient de prendre Riera et que ce n'est pas pour s'en séparer, soit il va s'apercevoir. Mais que ça sera trop tard pour en changer et faisant, comme d'habitude, le mauvais choix. Il dit: Je suis désolé, mais il faut se rendre compte que nous parlons de descente. Nous ne parlons pas de descente en national, nous parlons de mort du club, nous dit Ahmed. Si Bordeaux descend, ce sera dépôt de bilan avec tout ce qui va avec. Recrutement bidon, joueurs qui parlent et qui parlent en conférence de presse sans agir, je n'en peux plus, nous dit Ahmed. Et de plus, je n'en peux plus de ces entraîneurs qui viennent nous parler de possession, d'avoir le ballon, et dont les équipes jouent plus au hand qu'au foot, avec des organisations bidons. Depuis des années, j'ai l'impression, en regardant différentes équipes jouer, que Bordeaux doit faire 50 passes avant d'arriver dans la surface, pendant que nos adversaires, en 3 passes, arrivent dans la nôtre. Voilà, j'aurais tant de choses à dire, mais c'est trop long. Cela prendrait 100 pages, mais l'heure est grave. Je n'étais pas pour l'arrivée de Gérard Lopez. J'espère qu'il va vendre, même si je n'y crois pas une seconde. Merci de m'avoir lu. Voilà. Message d'un supporter, voilà. Donc non, Non, j'ai d'applaudir. Message d'un supporter que très je bien. voulais vous lire parce que bon, il fait une petite synthèse assez rapide en donnant son avis. Voilà. Et je lis. Si j'avais des gens qui me vantaient le bienfait du travail de la direction du club, je les lirais. Mais je n'en reçois pas. Oui, ça peut Je vous aussi. le dis. Hein. Ça va Non, mais être je plus lis. rare en ce moment, Parce que le Nico. seul up. Il y a un Oh argument, c'est qu'il a là sauvé le club. Donc bon, comme il a été dit et redit, Oui, j'ai ça rien d'autre c'est. à Ouais, c'est rajouter. sûr, la Voilà. lettre Voilà. est Voilà. aussi, mon Donc je gars. ne peux pas les lire, mais c'est C'est ouvert. Hein. l'étendard, ça, Vous, il a si sauvé le vous, club. mais si vous voulez venir vous exprimer, vous pouvez envoyer une lettre Encore avec des un arguments, c'est argument avec qui dans. plaisir. Il a sauvé le club, encore un argument qui dans 8 mois Voilà. sera plus valable, quoi. Décidément. Non, mais Non, mais je voulais le dire, que c'est ouvert, dans c'est ce qu'il dit pas Ahmed, en une tout cas, ce situation. qui est bien, moi je trouve, c'est les actes. Et il attend les actes. Et moi, je suis d'accord. Ça vient de là. Hein. Et notamment de tout le monde. Hein. Joueurs, staff et direction comprise. Hein. Donc voilà, il faut des actes maintenant. Moi, je suis pas trop d'accord sur les 50 passes pour marquer un but. Je peux vous citer des équipes qui font du très beau football, qui sont pas les C'est yeux dans un le ventre. avis de, c'est un Oui, avis, c'est son ça avis sur en c'est voyant jouer différent. Bordeaux. Mais moi, je partage beaucoup le Oui. constat d'Ahmed. Mais si Bordeaux pouvait faire 50 passes comme le Stade de Reims, comme Brighton, comme Lens, comme Gérone et être premier, deuxième, troisième, quatrième Oui. de leur championnat dans les 5 grands championnats européens, en jouant bien et avec une bonne mentalité, je prends. Je pense pas que le souci ce soit de bien jouer Ça dépend ce ou que tu aimes dans le de foot aussi. Mais ça, Pas mais. penser.
Après, ça dépend comment, en fait, l'action des 50 passes, comment elle aboutit. Si c'est pour rien faire derrière, tout ce que tu fais, c'est Ouais, toujours pareil. Donc ça, et c'est tellement fou. le Je pense que c'est contexte, c'est plus ça sûr. qu'il voulait dire, c'est que tu fais 50 passes pour après derrière qu'il se passe rien. Donc ça n'a aucun intérêt. Mais ça, je le comprends tout à fait. Allez, pourquoi Albert Lleras est-il déjà en échec? Alors, vous en avez déjà parlé. Est-ce que, de manière synthétique, chacun à votre tour, vous pouvez développer aussi, vous pouvez dire pourquoi, est-ce que déjà pour vous c'est un échec? On l'a dit, trois matchs, deux défaites, un match nul, Qui ressemble à une défaite, malheureusement. 9 buts encaissés en trois matchs, si je ne me trompe pas. Non, ça fait, c'est ça? Non, 7, non, 5, 7, 7, 5, 7, 7, 7, 7, pardon. 7, c'est pas mal déjà, 7. 7 buts 2, 2 encaissés. Et 3. Et combien marqué? Je sais pas. 3. Et 3. 3, ouais. 3. Et 3 buts marqués. Pour l'instant, c'est du négatif. Qui veut commencer sur Albert Lleras? Sam? Ouais, oui, allez, moi j'ai déjà commencé sur les enseignements. Donc, voilà, on peut aller vite. On peut aller vite. Vas-y, Sam. Après, j'y vais. Eh, vas-y, Sam. Pourquoi moi c'est déjà un échec? Parce que je pense effectivement, je le redis comme j'ai dit il y a quelques instants, mais il s'enferme dans son dogmatisme et je pense vraiment que, et c'est moi qui le dis alors que j'étais le premier à réclamer des idées foot, je pense qu'il a des bonnes idées foot, peut-être un peu trop poussées, je ne comprends pas tout, mais je pense que la mise en application est totalement pas compatible avec ce qui se passe en ce moment. Tester un Pedro Diaz à gauche, pourquoi? Mettre Tsiba et Michelin qui sont des joueurs qui ont quand ils ont sous-performé à Bordeaux, c'est parce qu'ils ont été trop impliqués dans les tâches défensives. Donc, au contraire, l'idée, c'est de les éloigner le plus de ta surface, de se contenter d'un jeu assez latéral et tu auras des bons résultats. Ce qu'il fait avec Delima, faire jouer Delima, c'est bien, mais le faire jouer à droite, coller à la ligne, comme l'Ivolo en premier match, il ne peut même pas rentrer sur son pied. Enfin, voilà, tout ça n'a pas vraiment de sens. Donc, c'est pareil, je le disais à quelques instants sur Westbeck, voilà, on a ce joueur, profitons de sa vision du jeu, profitons de sa qualité de passe, de frappe, mettons-le en confiance, plutôt que l'isoler dans un coin du terrain où il est en train de perdre confiance, etc. Et je trouve que Riera, encore une fois, est arrivé avec des idées intéressantes, avec une envie de faire gagner ce club. Je ne veux pas que les gens le jugent comme ils ont jugé notamment Souza à l'époque, en disant « Ouais, mais forcément, il parle bien, il parle de football, ça doit être un connard. » Non, bon, il se trouve que sur Souza, vu ce qu'il a fait après financièrement, le débat, il y a débat, mais en tout cas sur Riera, c'est peut-être juste un mec qui aime le foot, qui a envie de penser le foot et qui a envie que ça marche. Mais je suis désolé, en faisant un point en trois matchs, alors qu'encore une fois, il a un effectif qui est censé bien marcher, il y a deux solutions. Soit il ne s'est pas assez adapté, n'a pas enfin, il a été beaucoup trop ambitieux et beaucoup trop en décalé avec la réalité de son groupe. Et ça, dans ce cas, ça peut être une erreur de jeune coach, à lui de la corriger très rapidement. Soit c'est le deuxième cas qui, là, pour le coup, je ne dirais pas que ça n'a rien à voir avec lui, mais pour le coup, il est rentré dans la spirale. Et ça me ferait dire des mois après, mais j'en reparlerai tout à l'heure, que Joe a peut-être raison, en fait. C'est-à-dire que tu peux ramener qui tu veux. Tu peux ramener le joueur que tu veux, le coach que tu veux, le président que tu veux. T'es maudit, quoi. Ou alors, c'était pas maudit, parce que pour les moins spirituels, c'est pourri. En fait, le terreau, il n'y a plus rien qui peut pousser. Le truc, il est pollué. Mais y a, pour moi, c'est voilà, c'est le seul truc qui peut expliquer aujourd'hui son échec, autre que lui, son adaptation. Et je pense quand même qu'on peut pencher sur la première solution et se dire qu'il doit mieux s'adapter sur les prochains matchs. Il doit faire peut-être un peu plus simple, notamment dans l'utilisation de ses joueurs. Et peut-être qu'à l'instar du but qu'on marque contre Bastia des 10 dernières minutes samedi, peut-être qu'en mettant un peu plus de joueurs à leur poste, tout en faisant des changements et en mettant des joueurs peut-être qui vont amener autre chose sur le terrain, il peut remonter la pente. Mais oui, aujourd'hui, pour l'instant, il est face à un gros échec. Ah oui, j'aurais pas pensé que tu aurais dit ça. Ouais. Je suis surpris. Je suis d'accord, mais je dis pas que c'est bien, c'est mal. On a dit pendant des mois, même pendant une année, que David Guillon, avec cet effectif, ne faisait pas assez de choses intéressantes et ne faisait pas progresser, ne travaillait pas. Là, on peut pas dire qu'il n'y a pas de travail, parce qu'il y en a énormément, mais on est obligé de le dire que le travail, il n'est pas bien fait. Et encore une fois, moi, je suis j'ai jamais été partisan de quoi que ce soit. Hein. Si c'est beau, c'est beau. Si c'est moche, c'est moche. Guillaume, Riera, ma mère, mon père, pareil. Allez, Gino. Oh, oh, ce serait le bonheur. Ah oui, désolé, c'était sorti tout seul. Hein, désolé. On est sur Champ de France. C'est mon côté mélodique. C'est pas mal, ça. C'est pas mal. Non, il est en échec. Après, il y a une problématique aussi qu'on peut soulever, c'est qu'il innove beaucoup. Il a tenté énormément de choses et il a mis en place ses principes
de manière très extrême peut-être et excessive de ce qu'il voulait pour l'équipe. Donc, partant de ce postulat, il est parti sur totalement autre chose qu'avoir une équipe plutôt rodée qui serait restée un peu dans la même trame ou dans la même veine. Et donc, ça prend automatiquement plus de temps. J'aimerais pas qu'on soit très extrême avec Riera, parce que je lis des messages qui me semblent ahurissants. Il est là depuis trois matchs. Joe l'a dit, un mois. Mmh. Alors, on peut être critique, mais de manière constructive. Voilà, sur sa communication à Bastia, qu'on peut pas entendre parce qu'on peut pas dire on n'a pas été pire que Bastia, parce que nous, on veut être meilleur que Bastia. Donc, quand on répète plusieurs fois on n'a pas été pire, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui va pas. Donc, il est ambitieux dans ce qu'il veut faire et moi, j'aime ça. Après, il faut qu'il soit lucide, qu'il ne soit pas, voilà, moi je l'ai dit aussi, trop dans le fait de câliner les joueurs parce que je pense qu'il n'y a pas que ça. Les mettre en confiance, c'est pas que les câliner, c'est être exigeant avec eux, c'est savoir leur dire des fois sur certaines choses. Il a su le dire apparemment à Badji sur certains entraînements, il faut le faire aussi avec un ensemble de joueurs. Parce qu'il y a des joueurs qui ont besoin de progresser et qui ont besoin qu'on leur dise leur cas de vérité. Parce qu'au niveau du QI foot, on le dit souvent, c'est pas du tout ça. Donc, faut être en capacité de le faire. Et Riera, moi, je l'attends sur tout ça. Donc, ça prend du temps. On peut pas directement dire, moi, déjà, en échec. Non, je dis pas le terme d'échec. C'est le club qui est en échec. Le club, les joueurs et tout ça depuis tant de temps. Si lui, il rentre dans cette dynamique d'échec, et moi, c'est ce que je veux pas, c'est mort, parce qu'on l'a dit. Et là, vous avez raison. Le contexte, des fois, tire les gens vers ça, vers le fait d'être mis dans ce marasme. Moi, je pense que Riera, il a une mentalité, il a une personnalité. Donc, j'espère que sa personnalité et sa réflexion, elle va faire qu'il va nous sortir de ce marasme, pas qu'il va y rentrer dedans. Et ça me fait penser en échec par rapport à quoi ? Quelles sont les attentes ? Parce qu'on s'attendait à un choc quoi, sur les trois prochains matchs. Voilà. Moi, je suis désolé. Quand je dis les résultats, je pense. Mais voilà, non, mais je partage. Hein, moi, je partage. Hein. Résultats. Encore une fois, rappelons, parce que là, notre défaitisme… Et l'attitude aussi, c'est vrai. Bon. Notre défaitisme a oublié… Bah, si elle n'est pas bonne. Comme on joue le maintien ce soir, on oublie qu'à la base, quand Riera arrive, on doit toujours jouer les deux, trois premières places. Hein. Donc, c'est pour ça que je dis, pour moi, aujourd'hui, au bout de trois matchs, de se dire que le club n'est plus en mesure de le faire sportivement et qu'il n'est même pas en mesure d'aller chercher les barrages et qu'actuellement, on parle de maintien. Oui, désolé, c'est un premier échec. Est-ce que ça veut dire que c'est un échec total ? Non. Et comme tous ceux qui le jugent en disant d'accord, qu'il a trop d'égo, que machin, non. Mais par contre, force est de constater que la première mission, l'électrochoc, inverser la courbe, il ne l'a pas réussi. Au contraire, un peu comme à l'arrivée de Guillon. Pour l'instant. Un peu comme à l'arrivée de Guillon, on est sur une pente encore plus raide. Joe, tu as vu sa conférence de presse quand ils lui ont demandé s'il joue le maintien, toujours la montée, il a dit on continue. De toute façon, il ne va pas dire on arrête. Oui, mais c'est ça. Il a raison. Quel est ton avis ? Ben, alors, le terme d'échec, moi, c'est toujours pareil. Ça me dérange un peu parce que je fais souvent le bilan plutôt à la fin. Je me rappelle, quand il est arrivé, on m'avait dit que j'étais un petit peu trop pessimiste ou défaitiste parce que je disais, voilà, il arrive, j'attends de voir. Je suis ni chaud ni froid, je suis neutre, j'attends de voir ce que ça va donner parce que maintenant qu'on pratique ce club depuis quelques années, on sait très bien que les choix qui sont faits, généralement, ne sont pas bons. Force est de constater qu'à l'heure actuelle, pour l'instant, il n'y a rien qui part dans le positif, dans le sens où tu demandais un électrochoc au coach. En fait, l'électrochoc, tu ne l'auras pas au bout de 3, 4, 5 matchs. Il arrive au bout de 1 ou 2 matchs. On ne l'a pas eu. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être positif après derrière, mais malheureusement, ça, on ne l'a pas eu. Ça n'a pas marché. Ce n'est pas que de sa faute. Voilà. Ensuite, on pensait qu'il allait apporter un peu plus de positif, un peu plus d'élan, un peu plus de... Force est de constater, quand tu vois sa conférence samedi, c'est pas du tout positif son discours. Hein. Alors oui, j'aime mes joueurs, ceci, cela et tout, mais tu vois très bien que l'énergie, elle n'est pas bonne. Parce qu'il dégage, et le discours, il n'est pas bon. Il est très sur la défensive, il est très agressif. Et ça, c'est jamais très bon. Surtout que tu viens juste d'arriver à la base, t'es frais mentalement. Hein. Donc voilà, tu n'es pas dans ce marasme ambiant au départ. Donc, et là, tu vois très bien qu'au bout de même pas un mois, ça me rappelle un petit peu Guillon, le match contre 3, au bout de 2-3 matchs, où tu vois sa tête déconfite, où il te dit, je sais pas ce qui se passe. Mon équipe, je comprends pas, ça marche pas. Riera, j'ai l'impression que c'est un peu au bout de trois matchs, j'ai l'impression que c'est un peu malheureusement la réaction est différente, parce que la réaction est colérique, on va dire, du coup, ou agressive. Mais au départ, le fond est le même. C'est que je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Déjà, au bout de trois matchs, tu as cette sensation-là. Et comme l'a dit Sam, il y a ce côté dogmatique et ce côté systématique de relancer de derrière, de répéter les mêmes choses qui font que les adversaires, en plus, nous connaissent très vite. Au bout de trois matchs,
connaît déjà nos faiblesses, ça montre bien quand même que le travail n'est pas bien fait malgré tout. Il y a ce qui me dérange un petit peu, j'ai cette sensation, on va dire, qu'on part un peu trop à l'abordage de suite avec lui, alors que ce soit en Ligue 1, Ligue 2, en tout cas dans le foot français, partir à l'abordage, c'est jamais la bonne solution. Mais je me rappelle du premier engagement contre Angers où tu vois 8 joueurs qui sont alignés et un ballon qui est balancé directement devant. Moi, je me dis, oula, bon, on tente un truc, il n'y a pas de problème. Mais en France, ce foot-là, ou le foot, entre guillemets, le football total, ça ne marche pas en France. Il faut des bases solides pour moi. C'est que mon avis. Hein. Mais pour moi, tu ne peux pas partir en te disant, on va attaquer à tout va, on va prendre la position 70-30 et puis vous inquiétez pas les gars, on va marcher sur les autres. Non. En France, ça ne marche pas comme ça. Parce que... On est plus champion comme ça, hein, Joe. Oui, mais en Ligue 2, tu vois très bien que les équipes attendent, profitent de nos erreurs. Ils attendent que ça. Ils ont compris notre faiblesse. Et que nous, on fait des conneries. Et du coup, et à un moment donné, tu vois très bien qu'à l'heure actuelle, tu ne peux pas avoir un football total, un football ultra offensif sur la possession et tout. Parce que tes joueurs, comme tu dis, ne sont pas adaptés pour l'instant à ça. Mais pas, que pas spécialement techniquement dans les profils. C'est déjà mentalement. La confiance, elle n'est pas là pour ça, de toute façon. Et ça, mais ça ne se relance pas en un ou deux matchs, on est d'accord par rapport à ça. Mais voilà, et il y a encore un dernier point. Moi, c'est que le discours qu'il a eu après le match, ça m'a vraiment scotché. Et vous savez, ça me rappelle un petit peu ce qu'a dit Gérard Lopez il n'y a pas si longtemps, qui était plus passionné, par exemple, que le jardinier, etc. Et tout. Dire à un journaliste, c'est pour ça que toi, tu es journaliste et moi, je suis coach, ça correspond à la communication de la direction de ce club. Et c'est ça qui m'inquiète grandement. Et ça, pour moi, c'est un échec. Parce que il doit montrer une autre image du club, une image beaucoup plus positive, une image, entre guillemets, beaucoup plus respectueuse du foot en général. Pas que des Girondins de Bordeaux, mais respectueuse du foot en général en France. Et ce discours-là, moi, ça passe pas. Moi, et ça me fait dire que très sincèrement, pour l'instant, il n'appréhende pas du tout le contexte Girondins de Bordeaux et le contexte du football français en général. Face aux médias et sur le terrain, pour l'instant, Albert Hiera, il n'est pas dans le bon sens. Il est, on va peut-être dire en échec, mais l'échec, je trouve que c'est un terme un peu définitif. Mais en tout cas, pour l'instant, on n'a pas vu quelque chose de positif à ce niveau-là. Donc, il va falloir quand même qu'il montre quelque chose très rapidement parce que ça fait quand même 3 matchs. Hein. Et 3 matchs, tu ne vois pas une évolution positive, tu vois plutôt une régression en 3 matchs. Et ça, c'est un peu plus inquiétant quand même. Et Nico, juste pour ajouter un dernier détail, parce que c'est intéressant l'événement qu'a relevé Joe. Moi, bien sûr, cette phrase, elle m'a choqué parce que bon... encore une fois, le journaliste il pose des questions, donc l'entraîneur, vous m'avez entendu critiquer Guillaume. Quand je vais voir Guillaume, je lui dis pas tu fais n'importe quoi, c'est pas cohérent. Je lui dis est-ce que vous trouvez que c'est cohérent ce que vous faites? Parce que c'est mon boulot de lui poser la question. C'est la question du journaliste. La question du journaliste, elle n'était pas méchante en plus. Hein. C'est pour ça que je total soutien à lui d'ailleurs. Et, mais juste voilà, il y a des choses à ne pas dire. Maintenant, c'est là où je fais un petit astérix. Là aussi, Riera doit sortir de son dogmatisme et de ses idées arrêtées. On n'est pas en Espagne, Albert. T'es pas là, c'est pas tous les guignols justement qui salissent notre profession, notamment les journalistes sportifs, en faisant tout et n'importe quoi dans ces médias, As, Marca, El Chiringuito, les trucs. Moi, ça me fait marrer. Mais de manière générale, effectivement, ces mecs-là s'apparentent plus aux guignols de l'info qu'à l'équipe du dimanche. On doit le mettre à l'échelle des médias français. Donc, effectivement, Albert Riera, il va falloir comprendre qu'en France, c'est pas des mecs au sang chaud qui arrivent et qui ont besoin d'un gros titre pour leur journal du lendemain. Pour beaucoup, c'est des mecs intéressés. Pour certains, il y en a aussi beaucoup, c'est des mecs qui sont juste là parce qu'il y a des petits fours à la mi-temps. Mais il y en a aussi beaucoup qui aiment le foot, qui le regardent, qui le consomment et qui, pour certains, ont des bons postes dans certains clubs aujourd'hui, dans des clubs qui marchent et qui sont en Ligue 1. Donc, juste lui dire avec toute la bienveillance, on n'est pas en Espagne, avec tout l'amour que j'ai pour ce pays. On n'est pas en Espagne, ce n'est pas les journalistes sportifs espagnols. On est en France. Alors oui, on a aussi nos cas, hein. On les connaît, mais la plupart aiment parler football. Donc, s'il veut se mettre aussi au niveau de ce qu'est les Girondins de Bordeaux, il va falloir qu'il respecte les journalistes pour le coup au club. Et je les salue, tous ceux qui sont les habitués, qui sont des mecs réguliers, qui suivent le club depuis des années, qui suivent les matchs, qui suivent le club. Il faut les respecter aussi. Et tu regardes Luis Enrique au PSG, c'est la même sensation face aux médias. Il est très. C'est un peu l'école espagnole de ce côté. Pour leur donner une petite excuse. Ces mecs-là, ils sont en Espagne. Oui, bien sûr. Enrique, il parlait que sur Twitch quand il était sélectionneur. Hein. Il ne voulait plus faire d'interview, rien. Après, il n'aurait pas dû. Voilà, il n'aurait pas dû faire comme ça et on espère que ça ne va pas se reproduire. Après, il y avait un petit côté mauvais perdant. Moi, j'ai ressenti un peu comme ça. Il était énervé. Voilà, il y avait un... Qu'il a pas, mais il a pas, en fait, son équipe n'a pas réussi quand même la performance qu'elle devait réussir. Et moi, je l'ai ressenti comme ça. Après, c'est l'analyse. Est-ce que. Un peu...
un peu tactile. Oui, ça peut aussi, par moment. Mais et rappelons-nous du joueur, hein, c'était un tempérament, on l'a dit avant qu'il arrive. Hein. Et voilà, quelque part, il est dans ça. Peut-être qu'il le montrera du côté positif, ce tempérament. Peut-être qu'il le montrera aussi du côté positif. C'est pas l'espère. Le moment, Gino. C'est pas comme ça qu'il faut apprendre les choses, notamment pour les joueurs actuellement. Tu peux non, pas là, dit. Il faut apprendre les choses du côté positif. Mais au moins, il réagit. Moi, je préfère au moins quelqu'un qui réagit que plutôt qu'il ne réagit pas du tout. Alors, il faut qu'il pondère, qu'il soit pas de la bonne manière tous les samedis. Voilà. Et ça, on est d'accord. Merci, Monsieur Thomas. Je vais te donner la parole dans 30 secondes, mais on m'a posé une question sur le data Girondin, sur l'intensité défensive. Qu'est-ce que c'est? L'intensité défensive, c'est le nombre de passes que fait ton adversaire avant que la défense soit agressive et vienne t'empêcher de faire des passes. Par exemple, 8, ça veut dire que Bordeaux pouvait faire 8 passes avant que Bastia ne lui prenne le ballon, mette cette pression défensive, alors que Bastia avait le temps de faire 14 passes. Voilà. Donc ça veut dire que l'intensité défensive était du côté de Bastia. Donc voilà, bon, je vous ai mis, on voit que les X goals, on est encore en dessous. Sur 3 matchs, il y a 2 matchs où sur les expected goals, on est en dessous avec Ferra. C'était pas le cas avec Guillaume, on était toujours au-dessus, toujours quasiment, toujours au-dessus de l'adversaire. Là, on se crée moins d'occasions franches. Donc voilà, j'espère que c'est clair. L'intensité défensive, c'est le nombre de passes que fait ton adversaire avant que tu lui prennes le ballon. Mais c'est... Ouais. Moi, je trouve pas ça très étonnant quelque part parce que la base n'est pas là pour l'instant. La base de relance n'est pas bonne pour l'équipe, je trouve. Et ça part de derrière quand même. Et son jeu, et notamment les trois centraux en phase offensive, ça n'a pas fonctionné avec les relais plus haut, quoi. Du moment qu'on n'arrive pas à actionner déjà tous ces leviers, qui me paraissaient très compliqués à mettre en place cette semaine et qu'on a vu sur le terrain, ben je trouve qu'on a des difficultés à plus haut être en capacité de se créer des occasions. Donc on va voir si on arrive peut-être sur le prochain match avoir des améliorations là-dedans. Je vous mets sur le chat le lien vers l'article Data Girondin où c'est détaillé, il y a des commentaires. Voilà, je vous le mets sur les trois chats, vous pouvez cliquer dessus et aller le lire. Thomas, est-ce qu'il y a des réactions sur le chat? Oui, on a des réactions. Alors, je vais commencer par Laurent M qui a dit « Alors, il y a du bon dans ses idées, mais il n'a pas actuellement les joueurs concernés pour ce qu'ils souhaitent. Là où ils se trompent, c'est qu'il faut arrêter de leur trouver des excuses. » Voilà la réaction de Laurent. On salue Laurent Debrive. C'est sûr. Après, je suis d'accord. On ne sait pas ce qui se passe. Encore une fois, la communication de Rira par rapport à Guillon, elle est différente. Non, mais surtout, qu'est-ce qu'elle transparaît de la réalité? On peut encore se poser des questions. Non, mais t'as raison, Sam. On espère, oui. C'est sûr. Je sais pas si vous êtes resté un peu sur. Enfin, je sais pas si vous avez regardé le match sur l'équipe sur Amazon. Moi, je l'ai regardé sur Amazon. Donc du coup, à la fin du match, il est encore à 15-20 minutes où il te laisse l'écran, la caméra sur le stade et tout. Et donc, on a vu le fameux discours. Réunis les joueurs au centre du terrain. Est-ce que ça marche concrètement? Je sais pas si vous avez vu les... Alors ça, effectivement, Gino, moi j'étais pas fan du procédé, surtout après ce match, surtout au milieu de Furiani. Mais je sais pas si vous voyez l'extrait. Ce qu'il dit à Barbé et Zurico, je suis pas expert en lecture labiale, mais il doit les déchirer, hein, ce qu'il est en train de leur dire. Ah bon, on le voit. Enfin, c'est mon impression. Peut-être qu'elle est mauvaise, hein, parce que c'est vraiment un sentiment, peut-être, l'image qu'on voit. Ah les gars, on n'est pas sur. J'ai pas d'infos, rien, mais j'ai quand même l'impression qu'il est pas en train de leur faire le discours encourageant d'après Angers. Hein. J'ai l'impression que là, il est en train d'expliquer un par un sur le terrain qui a fait quoi de mal. Donc, est-ce que ça marchera? Ça, je sais pas, mais j'ai quand même le sentiment, vous inquiétez pas, que en interne, il met quand même, 17e de Ligue 2, je pense qu'il le sait, et ses joueurs, il peut pas le laisser tolérer, hein, pour l'instant. Il peut pas le tolérer. Ouais. Après, il faut arrêter de croire, par contre, que Bordeaux, c'est le club mène actuellement. Le journal Bordeaux, c'est pas le club mène pour les joueurs, hein, je vous assure. Hein. Sincèrement, quand tu as écho un petit peu de ce qui se passe à l'intérieur, franchement, quand tu es joueur des journaux de Bordeaux, c'est nous qui travaillons. Si on se retrouve dans une entreprise où on se sent pas à l'aise, où on sent qu'il y a effectivement une pression qui n'est pas positive, où tu sens que les échanges ne sont pas bons, où tu sens qu'il n'y a rien de constructif, comment tu veux être motivé dans ce que tu fais? Sincèrement, il y a un moment donné, oui, les joueurs sont pas bons. On le voit tous que les joueurs sont pas bons. Tu as l'impression qu'ils sont pas investis. Mais pour arriver où ils sont, pour être footballeur professionnel, tu es un compétiteur dans l'âme à la base. Tu es quand même quelqu'un qui s'est battu pour en arriver là. Tu crois que tu as juste envie de te dire à un moment donné, putain, ce club il me saoule, j'ai plus envie de jouer.
Ça se passe pas comme ça dans la tête d'un footballeur. C'est un autre monde, en fait. Faut arrêter de se dire, lui, il est nul, lui, il est pas investi, lui, machin, cela. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est quand tu as tous les joueurs qui ne sont pas à leur niveau et qui sont à côté de leur pompe et qui ne sont pas investis dans ce qu'ils font, c'est que le problème, il n'est pas sur le terrain à la base. Global. Il est global, ouais. Mais le doute prime sur l'engagement quand même. Joe, t'as fait la transition, Nico, sur le débat d'après. Alors, si j'ai pour la répondre à ta question, ce que tu as posé, Nico, sur le sujet, j'ai Spartan 3387 qui dit: on a pris un risque en prenant un jeune entraîneur qui n'a pas connu cette situation avant et qui arrive déjà dans une situation difficile. Donc, pouvoir installer ses principes de jeu, il aurait fallu le mettre en place à l'intersaison face à un groupe réceptif et non pas au fond du trou. Et je rajoute juste, non, après, je rajouterai juste un truc. Est-ce que Riera a déjà été en situation d'échec ou a déjà repris une équipe en difficulté? Non, c'est la première fois. Je pose une question sous-jacente, même si encore une fois, on n'était pas mécontent de voir ces idées-là arriver au club, même si on aurait aimé les avoir au bon moment, c'est-à-dire en juin. Mais quel club, dans la situation de Bordeaux, que ce soit pour arrêter une hémorragie et rester en haut du classement, ou comme on est actuellement, effacer un mauvais début de saison et relancer, créer un électrochoc, a pris ce type de coach dans notre situation? Oui, c'est très rare. Paris, quand il vire Tuchel, parce qu'on aime souvent dire on partait pour être le PSG de la Ligue 2, et factuellement en termes de moyens, c'était Il y a des gens qui disaient ça. Il y a des gens qui disaient ça, et moi j'en faisais partie. Paris de la Ligue 2, tu disais ça, Sam? Mais c'est la réalité. En termes de budget, on peut pas dire le contraire. Non, mais après vous pouvez c'est pas flatteur de dire ça. Moi, je disais pas le PSG de la Ligue 2. Moi, je disais pas le PSG de la Ligue 2, mais je disais qu'en termes d'armes, Bordeaux était beaucoup plus armé que les autres. Vas-y, je te laisse pour ça. En termes de moyens, Bordeaux était censé être largement au-dessus du championnat, comme le PSG peut l'être dans son championnat, comme City peut l'être en PL, comme Leicester l'est par exemple cette année en Championship, etc. Pour rester dans des deux. Et donc, tout ça pour dire que j'ai perdu totalement le fil de ma pensée. C'est ma faute, pardon. Non, je ne sais plus en fait, tant pis. C'est vrai? Ça, c'est ma faute, pardon Samuel. Et de quoi on parlait? De Riera, sur le coach jeune, il n'y avait pas de coach qui avait pris le choix du coach dans cette situation. J'ai retrouvé le chemin. Vas-y. On passait sous un tunnel, j'avais plus Waze. C'est bon, là, je sais où j'aurais. Quand par exemple Tuchel est viré au PSG parce qu'ils estiment, et pourtant on n'est pas sur une catastrophe, et ils estiment que le début de saison est raté. Ils vont chercher qui, Paris? Ils vont prendre Pochettino qui vient de faire finale de Ligue des Champions. Quand le merde, j'ai un contre-exemple qui me vient en tête tout de suite, en fait. J'allais dire, quand le Barça vire Koeman, il prend Xavi, qui n'avait jamais vécu une situation. Ouais, mais Sam, ils sont pas dans les mêmes situations quand même. Parce que regarde, ils dominent quand même largement la Ligue. Nous, on n'est pas en domination là. On domine pas. On est dans une période difficile. Mais nous, on est censé, au début de la saison, être tranquille. C'est-à-dire qu'à partir du moment où avec un coach, ça ne marche pas, tu vas prendre un coach qui, pour le coup, a déjà eu l'expérience et a gagné. C'était le cas de Pochettino, même si les plus pointus me diront qu'il n'a rien gagné avec Tottenham. Mais on parle quand même d'un coach qui avait installé une équipe qui avait fait finale de Ligue des Champions. Oui, ça fait du bon travail. Quand tu vires un coach, généralement dans les gros clubs, c'est pour aller chercher quelqu'un qui, derrière, va redresser la barre. Parce qu'il connaît aussi, il a de l'expérience. Tu vas rarement prendre des novices, à part, comme je disais, le contre-exemple que j'ai eu tout de suite en tête, Xavi au Barça. Mais à part, et on connaît l'histoire de Xavi au Barça, à part ça, tu as très très peu d'exemples comme ça. Généralement, tu vas prendre un coach qui a de l'expérience. Là, nous, on a pris un coach qui n'en a pas. Et ça, encore une fois, pour Riera. Moi, très sincèrement, ça me fait penser à Lyon avec Grosso, ce qui se passe. Un joueur qui a, jeune entraîneur qui a pas trop d'expérience, etc. Et tout. Grosso, une équipe qui est un marasme. Grosso, il a quand même un peu d'expérience en Italie. Un peu plus, mais ça paraît un peu frêle par rapport à la situation de Lyon, qui est un gros club. Mais bon, c'est l'ancien joueur qui revient, etc. Et tout, donc ça, Lyon c'est beau au départ. Lyon est mal géré. Lyon est un peu mal géré comme Bordeaux. Donc, c'est pour ça que je te dis ça. C'est pour ça que tu dis, effectivement, qui fait ça? Des clubs qui bossent très mal. Voilà. Thomas, est-ce qu'il y a une autre question à lire? En fait, c'était la dernière question, mais je crois qu'il m'a déjà devancé. C'est pourquoi on a pris lui et pas un coach expérimenté, etc. C'est magnifique. Parce que Lopez voulait nous faire chier, parce qu'on avait dit à ce moment-là, quand on disait qu'il fallait virer Guillon et prendre un coach à la Riera avec des idées, il ne le faisait pas pour dire j'ai raison.
Et là, quand on a dit, bah, faut virer Guillaume, mais là, vu la situation, on a perdu 10, on a perdu, enfin, il y a 10 matchs, on a perdu du temps. Ce qu'il faut, c'est un mec à la Antonetti, à la Julien Stéphan qui rêve de venir. Bah, il a balancé son numéro sur Twitter. Il nous a dit, je vous, voilà. Et moi, je vais prendre Rera parce que Rera, je sais que Franck Diabaté m'a dit que c'était hype, que les joueurs l'adoraient. Et voilà, je mets Rera coach. Et comme ça, tout le monde est content pendant une semaine parce que c'est un ancien joueur. Il a des bonnes idées, il a un bon discours, ça va marcher. Et puis après, je croise les doigts, comme il a fait l'an dernier. Parce que là, il croise les doigts. Bah, pour l'instant, malheureusement, ça ne se passe pas bien. Voilà ce qui s'est passé. On après, aurait dit que Rera, il aurait appelé Antonetti. Voilà, ça se serait passé comme ça. Oui, Gino. Après, jeune coach Rera, il a le droit aussi d'être accompagné dans sa tâche. Ah, ça. Non, mais comme Guillaume, mais, oui. Mais comme Guillaume aussi pouvait. Non, mais aussi, c'est pour ça. Oui, totalement, Joe. Mais là, on part c'est du postulat dire. Qu'on fait venir un jeune coach. Et ce qui est vrai, qui peut avoir des problématiques, notamment samedi, ce qu'a bien dit Joe sur la conférence de presse et autres. Ça, ça fait partie des choses importantes, quand même, dans une situation de crise. Donc, la pression, elle peut aussi être pour plusieurs personnes, pas que la même. Ouais, parce que Riera, si on l'envoie au feu avec sa mentalité en plus qu'on connaît un petit peu maintenant et qu'on le laisse en première ligne, ça peut être compliqué pour lui. Donc laissons-le s'occuper du sportif, voyons, peut-être que ça serait un bon choix à l'arrivée. Mais moi j'aimerais qu'on dise à la fin de la saison, mais comme mes copains, qu'on dise le choix finalement il était peut-être pas si mauvais de cet entraîneur. Bien sûr. Mais entourons-le, le laissons pas tout seul en première ligne. Comme l'a dit Joe, comme ça a été le cas avec Guillaume, comme ça a été le cas avec d'autres. Parce que là, c'est une grave erreur. Et encore une fois, ça fait 3 matchs où, au club, on ne parle pas beaucoup. On laisse peut-être Riera mettre ses principes en avant très bien. Mais si la difficulté venait à être grandissante, ça serait peut-être bien qu'il y ait des gens qui viennent et qui viennent assumer un petit peu. Pour libérer de la charge de la communication. Ah, ça serait pas mal, ouais. Et ouais. Pas toujours les mêmes devant les micros, hein. Et puis, il y en a aussi. Alors, au-delà de. On passe au prochain thème. Il est 21h, il reste 2 thèmes. Non, juste après, au-delà de l'accompagner, c'est juste à un moment donné. T'en as un qui est là depuis le début dans toutes les mauvaises choses qu'avait fait Gérard Lopez et depuis Moucron. Encore une fois, c'est notre ami Montero. Déjà, lui, si on pouvait le retirer de ses pattes aussi, je pense que ça ferait pas de mal aussi au club. On voit sur le banc qu'il est assez actif hein, pendant les matchs. Il montre les justement. Schémas. Justement. Mais contre Rodez, c'est lui qui a tout déclenché hein, avec les bancs. Dit ça part de lui. Je crois que c'est Arteta qui le retient parce que sinon, il partit directement voir le président. Il mettre une patate. Encore une fois. Donc, en termes d'apaisement, en termes de positivité, en termes de. Voilà. Okay, lui, par contre, comme je dirais Sam. Oui, mais il est souvent oublié, le monsieur. Voilà. Zéro. Chaque émission. Allez, quelle solution pour le club, le coach et les joueurs aujourd'hui? C'est quoi les leviers? Non, mais il y a des leviers simples qui peuvent être adoptés. Qui c'est qui veut commencer? Gino. Allez, Gino, après Joe et après Sam. Allez, Sam en dernier. Quelle solution? C'est quoi les leviers revenir... que le club On va revenir adopter. Sur les mêmes... Non, mais je pense qu'il y a vraiment besoin... Non, mais franchement, si on continue à être dans ce schéma-là, en plus, c'est que rapidement, on n'a pas des résultats, ce qui peut arriver, ce qui est une réalité. Je pense qu'il faut vraiment se resserrer, faire un bilan quand même sur ce qui ne va pas, peut-être changer certaines personnes. On ne va pas les nommer, il n'y a pas besoin de les nommer, tout le monde les connaît. Parce qu'il y a besoin peut-être d'insuffler aussi du sang frais et de la compétence, parce que certaines personnes, tu parles de joueurs, non, du mais staff. Le staff au niveau de la direction, voilà, on le sait tous. Il y a des membres de la direction sportive, voilà, les copains l'ont dit au début, qui devraient pas être en poste parce qu'ils sont d'échec en échec en échec. Donc comment ils peuvent être encore là? D'accord. Donc l'entraîneur, on l'a changé. On a changé une partie du staff. Avant de parler mercato, parce que souvent. Voilà où on en est réduit à ce club. Les supporters qui sont dans ce schéma mercato, 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 comme si c'était le chaînon manquant qui allait tout résolver au club. On a réussi à nous faire croire ça, hein, avec le trading de merde depuis des années. Donc, au lieu de penser mercato et de se dire on va recruter des mecs qui vont nous faire sortir de là. Non, on se prend en main ensemble. Les cadres, on les responsabilise et on leur dit leur vérité et on essaye de trouver les personnes qui vont pouvoir nous faire remonter. Et au sein du club et dans l'entourage, eh ben,
on pousse aussi pour que ça change. On pousse pour que ça change. Et si tout ça, sur un mois et demi, c'est fait, moi, je suis persuadé qu'avant la trêve, on peut voir déjà des premiers signes encourageants avant de penser toujours aux mêmes choses, et notamment le mercato. Moi, ça me paraît ahurissant de penser à ça déjà. Donc, des changements de personnes. Par exemple, okay. Mais pas que, Nico, parce que je pense que voilà, tu peux t'appuyer sur des gens et il y a une réflexion à mener. Et avec l'entourage aussi du club, l'entourage est important. Moi je pense pas que l'entourage n'est pas important. Les supporters en premier aussi, c'est important. Donc, ils ont une capacité à mettre la pression. Ils l'ont fait des années durant. Donc, ces supporters, ils peuvent se réveiller à un moment donné et faire leur autocritique et se dire la confiance accordée, elle était trop grande. Donc, ça, c'est important aussi à dire. Donc, si ça, c'est fait dans le club, mais moi, je suis persuadé qu'il peut y avoir des changements, au moins d'attitude et de meilleures choses pour nous. Ok, Joe. Merci, Gino. C'est quoi les solutions pour le club, le coach? Donc, Gino, est-ce que tu as d'autres solutions que celles que Gino vient de nommer? Ça va rejoindre un petit peu ce que dit Gino, c'est peut-être un petit peu aller un peu plus loin dans ses, par rapport à ce qu'il dit, parce que je suis entièrement d'accord. Mais moi, en fait, quand j'ai vu le match contre Rodez, j'étais au stade et on peut parler aussi du match de Bastia. Qu'est-ce que Rodez et Bastia avaient de plus que nous sur ces matchs-là? C'est que les mecs, ils étaient comme ça. Supporters, staff, direction, joueurs. Ils partaient tous en mission contre nous, entre guillemets, en mission contre nous, parce que, et notamment Rodez, ce qui a fait qu'ils nous ont battus, c'est parce que les mecs, ils étaient ensemble dans la galère. Ils se sont dit, ouais, ça va être dur, ça va être compliqué pour nous, parce qu'on est Rodez, on est que Rodez, etc. et tout, mais on s'est fait cracher dessus par tout le monde à cause de ce qui s'est passé, effectivement, l'an passé. On sait très bien que pour que ça marche pour nous, il faut qu'on soit comme ça. Et nous, ce qui s'est passé, le match contre Rodez, mais c'est vraiment ça, c'est que, à la fin du match, t'as les supporters qui disent aux joueurs, mais dégagez les gars, dégagez. Comme si eux, sincèrement, ils avaient été mieux que les joueurs ces derniers temps. Et j'ai envie de te dire, ben non en fait. Parce que le marasme, il est vraiment global. C'est que tout le monde s'est planté en fait depuis plusieurs mois, comme le dit Gino. Et il faut qu'il y ait effectivement une autocritique de la part de certains supporters à l'heure actuelle. Et qu'il faut qu'il y ait un contre-pouvoir par rapport à tout ça. Parce que ça ne peut pas aller que dans un sens. Ça ne peut pas aller que pour une personne. Et que les autres, derrière, à chaque fois, c'est toujours la faute de tel, de Rodez, de Bastia, de machin, du coach, etc. Là, ce qu'il faut qu'on retrouve, nous, à l'heure actuelle, et avec Gérard, avec Almar, s'ils veulent, il n'y a pas de problème. Mais avec Montero, s'ils veulent, il n'y a pas de problème. C'est une unité. C'est en gros, il faut qu'on se dise, les gars, on est dans la galère. Si on va pas tous ensemble au charbon, on n'y arrivera pas. Comment? Moi, je suis d'accord. Mais c'est juste comment. Tu fais comment? Clairement, c'est quoi les moyens, Nico, pour retrouver une unité quand il n'y a pas d'unité? Le discours, il est très simple, Nico. C'est que si on continue comme ça, on part en national. Non, mais ça, c'est le. Non, mais attends. Non, mais Nico, laisse-moi finir. Si on continue comme ça, on va tous partir en national, on sera tous devenus une risée. Et dans le milieu du football, on va tous se retrouver comme des cons. Les joueurs, le staff, etc. Riera, s'il fait cet échec-là, mais derrière, quel club va le prendre? Gérard Lopez, s'il a cet échec-là, il va aller travailler où derrière le milieu? Admar Lopez, je t'en parle même pas. Les joueurs, t'en as plein qui n'ont jamais rien montré au niveau professionnel. S'ils se plantent là, ils ne vont pas aller bien loin derrière. C'est que, pour leur intérêt personnel aussi au départ, mais aussi pour l'intérêt des Girondins de Bordeaux, il faut tous se dire que là, on est tous en train de se planter. Le discours, il est là, c'est qu'en gros, pour tout le monde, il faut que tout le monde se ressaisisse, oublie un petit peu son ego, sa fierté, et entre guillemets aussi, ce qui ne va pas pour lui dans ce club, et se dise, il faut qu'on retrouve un peu de plaisir et d'unité, il faut qu'on se retrouve tous ensemble, se dire les choses en face à face, se dire, on s'est trompé sur ça, ça, moi j'ai des torts par rapport à ça, et se dire à un moment donné, ok on fait personne quoi les gars, critique. On planche tous, ou on essaie tous un petit peu de se relancer pour que le bien de tout le monde, et à la fin on fait le bilan, et celui qui va aller voir ailleurs, il va voir ailleurs. Mais pour ça, pour aller voir ailleurs, il faut aussi que il faut montrer quelque chose cette saison. Okay. Tout simplement. J'entends ce que vous dites et on va voir si ça mêle à d'autres arguments. Vous ne parlez pas du tout de sportifs. Alors, vous parlez que de management, de personnes, d'entente entre les personnes. Mais il n'y a pas de. Vous ne dites pas. Bon, je vais laisser. Je ne vais pas dire ce que je veux dire parce que peut-être que Samuel va le dire. Samuel, qu'est-ce que tu rajouterais pour toi, pour la solution pour le club à court terme? Moyen terme, voilà, court moyen, mais pas long terme. Non, t'entends pas, Samuel? T'as ton micro. Merde, ce que je disais, mais moi, j'en ai pas, en fait. D'accord. Non, mais enfin, quand je vous dis, j'en ai pas, c'est pourquoi je dis ça, c'est pas anodin, c'est que prenons ligne par ligne.
les joueurs. Moi, je vous disais l'an dernier que, et l'année d'avant, notamment sous Gasset, que l'année sous Gasset et l'an dernier, je vous disais que l'effectif était trop court. Il manquait beaucoup de profils, notamment au milieu de terrain. Et que pour pouvoir monter en Ligue 1 ou pour pouvoir à l'époque faire une bonne saison en Ligue 1, il faut renforcer. Des Tom Lacou, etc., c'est pas au niveau. T'as ramené des mecs, ça marche pas. Qu'est-ce qu'on t'entend dans les dernières heures au club? On te dit, ouais, mais Poussin, il est parti. Poussin, il est parti. Lacou, il est parti. Le groupe vit plus ensemble. Ah ouais, donc ça tenait vraiment qu'à ça l'an dernier, le vestiaire. Avec tout le respect que j'ai pour Poussin et Lacou, mais ça veut dire vraiment que tout ce qu'on a vu l'an dernier, c'était ça tenait qu'à juste Poussin et Lacou qui vous mettaient des tapes dans le dos à la fin de l'entraînement. Ok, donc en fait, on vous a ramené la crème de la crème pour la Ligue 2 et ça ne marche pas parce qu'il n'y a plus de liant. Ça s'entend, hein, mais c'est quand même bizarre que personne soit capable de combler ce rôle. Le coach, on a enlevé un coach qui, pour moi, était catastrophique depuis son arrivée à Bordeaux. On ne va pas refaire tout le parcours de Guillon. Vous le connaissez et vous connaissez mon avis. On le remplace, certes, dans un timing qui n'est pas cohérent par un autre coach, mais qui est censé amener quelque chose de différent, notamment dans les idées foot, qui peuvent provoquer un électrochoc et une évolution. Ça ne marche pas. Le club. Bon, on m'a dit la première année, King Street a laissé des cadavres dans le placard, mais le mercato, vous inquiétez pas, on sait faire. Premier bilan, au bout de six mois. Les solutions. Non, première solution. On redit tout ce qu'on connaît là. C'est pour ça. Première solution qu'on nous a proposée à l'époque. Voilà. Première solution qu'on nous a proposée à l'époque quand le club n'allait pas bien et allait descendre en Ligue 2. On a recruté un mercato avec soi-disant que des super joueurs. Ça a été pire. Et la plupart des joueurs, c'est toujours des boulets constrimbales. Notamment Niatenko qu'on salue. Deuxième année, on nous a dit le problème, c'est qu'il y a eu la DNCG. Solution, on fait confiance aux jeunes. Parce qu'on n'a pas le choix. Les jeunes marchent bien. Mais au bout de six semaines, quand tu peux recruter, tu t'empiles des joueurs, tu ne fais plus jouer tes jeunes pour les trois quarts, et les seuls qui jouent, tu les vends. L'an dernier, on n'est pas monté, on m'a dit, ouais, problème, je viens de le dire, il fallait renforcer les joueurs, il faut changer le coach. Et on a fait tout ça en l'espace de six mois. On a changé l'effectif. Il n'y a pas eu de souci avec la DNCG. Il y a eu une vraie prépa. Il y a eu les meilleurs joueurs de Ligue 2 qui t'ont rejoint. Tu es allé chercher un super numéro 9 que tu n'avais pas depuis longtemps. Ce qui te manque juste, c'est un 6 et un gardien, à la limite. Vraiment, pour être gourmand. Tu aurais aidé, hein. Mais même sans ça, tu pouvais t'en sortir. Tu as changé de coach, tu as pris à la place de Guillon. Et malgré tout ça, ce n'est pas que c'est toujours pas bien. C'est que c'est pire. Donc, quelle solution tu veux trouver aujourd'hui? C'est là que je veux en venir dans mon raisonnement. Ce n'est pas pour refaire l'histoire gentiment. C'est que toutes les solutions, elles ont été explorées. Pour l'instant, à l'heure actuelle, je reviens au premier point, au troisième point. Moi, je vais vous en donner alors. Je reviens au troisième point. Nico, il y a des solutions. Je reviens au troisième point. C'est un truc simple. C'est bien. C'est bien. Voilà, ben, moi, tu veux une dernière solution, Nico, celle qu'on n'a pas encore testée? Oui, vas-y. Changer la direction et la présidence de ce club. Non, mais moi, je ne parle pas de ça. Ça ne changera pas. Moi, je vais vous le dire, les gars. Les gars, je vais vous dire. Première solution de sportif. Qui a fait partie de l'échec? Pas ça. Gérard Lopez et Edmar Lopez. Ils sont toujours là. Oui, mais ça, on ne peut pas. Ça ne peut pas changer. Ça ne marche pas. Ouais, ça ne peut pas. Gérard, première non, solution. Mais le reste, c'est si. Ah, Gérard, il peut se mettre en retour en tant que président et nommer un vrai président. Non, non, non. Vous êtes sur le global, moi, j'entends. Vous êtes sur le global, j'entends. Dis-nous, Nico. Première solution sportive. Tu as un groupe de 28 joueurs. Tu resserres ton groupe. Réduit. Les joueurs, tu dis maintenant, toi, je ne te veux plus. Hop, tu dégages. On veut des joueurs pour faire un esprit commando. Toi, je ne te veux plus. Tu sors, toi, tu sors, toi, tu sors. Et tu réduis ton groupe au maximum. Déjà, ça, c'est une solution. Parce que là, il le fait un peu sur les matchs, Nico. C'est un non, peu ce il fait rien sur les du matchs. Tout. Il fait rien du tout. Parce qu'il y a des... il fait rien du tout. Il prend toujours les mêmes. Il les fait tourner. Mais oui, mais regarde. Voilà. Mais s'il a viré les jeunes, quelque part. Oui, mais quelque part, il resserre. Mais quelque part, il resserre. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Je suis pas sûr. Tu resserres ton groupe. Ceux qui ne donnent pas satisfaction, souriant, ceux qui ne donnent pas satisfaction tout de suite, tu ne les prends plus, tu les sors, ils attendront le mercato d'hiver. Ça, et tu joues avec des joueurs en commando, tu mets des jeunes, tu prends de la fraîcheur. De Lima, il doit jouer. Ça, oui. Lima, il doit jouer. Déjà, ça, c'est une solution. Tu fais ça, on ne les a pas vus. Ça ne va pas, on ne les a pas vus. Déjà, tu les fais jouer. Deuxième chose, tu fais des mises au vert avant les matchs. Tu prends tes mecs trois jours avant, tu les amènes. Qu'on ne les retrouve pas une avant-veille de match en boîte de nuit à Bordeaux, parce qu'il y en a, c'est le cas. Donc, déjà, c'est des choses assez simples que tu peux faire. Ah oui. Mais oui, mais c'est ça, c'est du management. Mais n'importe quel coach devrait faire ça. Mais pourquoi là, il ne part pas? Pas que le coach.
Pas que le coach, Nico. Mais n'importe quel coach préfère ça. Resserrement du groupe, mise au vert avant les matchs, mais pas un jour, deux ou trois jours avant les matchs. Tu déportes, tu vas t'entraîner ailleurs et tu fais un esprit commando. Voilà, ça, c'est des choses simples qui peuvent être mises en place par un coach pour aller chercher des résultats immédiats ou vraiment à un délai, à un moyen terme. C'est tout. Et tu ne viens pas me gérer 28 joueurs, 5 gardiens. C'est du n'importe quoi, ça. Voilà, moi, ça, c'est les solutions que j'apporterai. Sans changer le staff et tout, parce qu'ils ne peuvent pas changer. C'est tout. Voilà. Pour ça, Nico, il faut que tu aies un coach et un staff qui aient un poids dans ce club. Mais j'en sais rien, mais c'est leur métier. Nous, ce n'est pas notre métier. Ça, je le dis parce que... Nico, repense à notre invité de la semaine dernière par rapport à son joueur. Il n'y a aucun problème. Hein. Guillaume fait un mauvais choix, il ne prend pas Delima en stage. Qu'est-ce qu'il fait, le mec? Il appelle Admar Lopez. Bizarrement, ce joueur part en stage... 24 heures après. Oui, mais là, tu mélanges, on n'est pas dans la même situation. Non, Nico, on est sur 7 matchs sans défaite. Nico, je ne mélange pas. C'est que le coach, ses choix ne sont pas respectés. Qu'il soit bon ou mauvais, peu importe. Moi, de l'image, je le prends tous les jours en stage, il n'y a aucun problème. Mais ça, moi, je m'en fous. Serrera, il fait ce qu'il veut. Mais s'ils ne font pas ça, c'est qu'ils n'ont rien compris. Voilà. Mais on est d'accord, encore une fois. Je ne dis pas que j'ai la solution miracle. Non, mais ce que je dis, c'est. Mais ça, c'est des choses simples. Il y a trop de joueurs à manager. Tu as trop de joueurs. Fais jouer les jeunes, réduis ton groupe. Fais des mises au vert avant les matchs et tu verras, tu auras d'autres résultats, tu auras une autre cohésion. Il faut trouver de la cohésion de groupe. La cohésion de groupe, ça se trouve, on a tous été dans des entreprises. La cohésion de groupe, les mecs, ils vivent du temps, ils passent du temps ensemble, il faut retrouver. Tu vires quoi, Nico? J'en sais rien, moi je ne suis pas coach, ils le font. Non mais tu vas virer Marcelin, Ignatenko, des mecs qui jouent déjà. Tu les sors, j'en sais rien, tu les impliques, c'est son métier, il doit les rencontrer, ça fait un mois qu'il est là, il a deux adjoints, à un moment donné, il fait des entraînements. En fait, Nico, moi, j'ai pas l'impression que le souci, c'est qu'il y a des moutons noirs dans le groupe, j'ai juste l'impression que le groupe... C'est pas des moutons noirs, c'est pas parce que t'es sorti du groupe que t'es un mouton noir. On veut des résultats ou on veut gérer l'ego des joueurs? Non, mais à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Et ce que je dis, Nico, c'est que moi, je pense que là, c'est même plus gérer l'ego des joueurs, c'est que tes joueurs, de toute façon, ils sont au fond du sac. Et bien voilà, libérons-les. Tu les mets sur le banc ou pas, pour moi, enfin, en tribune, enfin, même en réserve ou pas, je ne sais pas si c'est ça qui changera le truc, en fait. On est au mois de novembre, dans deux mois, c'est le mercato. Ceux que tu veux pas, ceux sur qui tu comptes pas, ben écoute, ils s'en vont, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est avoir des résultats. De toute façon, ils sont 28. De toute façon, tu calcules, il y en a 18. Donc, il y en a 10 qui ne joueront pas chaque match. Tu sélectionnes les 10 que tu ne prendras jamais. Et puis voilà, c'est tout. Et ne me dis pas qu'avec 20 joueurs, tu te prends 20 joueurs, tu en sors 8. Puis c'est bon. Les 8, ils vont en réserve, ils vont aider la réserve qui est relégable. Et puis, je sais pas, ils continuent à s'entraîner avec le groupe. Et puis, tu resserres. Voilà, on n'est pas là pour faire dans la dentelle à un moment donné. Ouais, mais Nico, est-ce qu'il y a quelqu'un qui prend une décision dans ce club, encore une fois? J'ai l'impression qu'il y a 10 000 personnes en fait, qui donnent leur avis dans ce club. Non, mais moi, j'en sais rien. C'est pour ça que ton coach, il n'a pas de poids en fait, dedans. C'est parce que tu as tout le monde, en fait, du coup, tu as l'impression qu'il peut intervenir à tout moment dans ce club. Moi, ce qu'ils font, ce qu'ils font pas, le coach, limite, c'est pas mon problème. Moi, je dis qu'il y a des solutions qui existent. Non, mais je suis d'accord avec toi, Nico. C'est leur problème. Je suis complètement d'accord avec toi, Nico. Mais le problème, c'est que dans le fonctionnement du club Girondins de Bordeaux, ce que tu dis, c'est impossible. Malheureusement, c'est impossible. Non, pas impossible, Joe. Non, mais si, parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui dise à un moment donné, les décisions, c'est moi qui les prends et j'assume. Et qui se mettent en avant et qui disent, les décisions, moi, je les prends et j'assume. Point. Vu le caractère de Riera, on peut s'attendre quand même à ce qu'ils prennent des décisions, je pense. Tu vois ce que je veux dire? Je pense. Dans l'image, peut-être. Peut-être dans ce qu'il démontre, peut-être. Sauf qu'après, en interne, peut-être que c'est peut-être différent. Peut-être que tu as raison. Mais ouais. Je pense que si tu ne fais pas ça, il n'y arrivera rien. Il y a trop de joueurs. Il y a trop de joueurs, surtout qui n'ont pas le niveau. Point. Comment tu veux qu'ils fassent des entraînements avec 30 joueurs, quoi? C'est pas possible. Je ne sais pas si dans les autres clubs, ils s'entraînent à 30. Après, tu ne peux pas refaire. Tu dis mettre des jeunes. Et je pense que moi, au contraire, voilà, l'ouverture vers la jeunesse, elle est bonne. Donc le fait de refermer, ça dépend comment tu refermes. Resserrer le groupe sportivement, parce qu'il y en a qui ne sont pas au niveau, oui. Mais mettre un ou deux jeunes qui ont des qualités qu'on a déjà vues en début de saison, qui malheureusement ont disparu de la circulation, on ne sait pas trop pourquoi, et qui pourraient t'amener dans certains secteurs, ça serait quand même intéressant. Les deux jeunes qui pourraient le plus t'amener sont encore une fois chez des concurrents directs au maintien. Ceux-là, on ne peut pas en parler parce que bon. Faire une mise au vert, c'est quand même pas trop compliqué. Les jeunes et que le directeur sportif, soi-disant, qui impose des décisions, n'est pas foutu d'imposer les bonnes décisions en plus. Allez. La continuité aurait été pas mal avec ces gamins-là. Mais bon.
Tom. Après, rappelez-vous de ce que j'ai dit, les gars. Il faudrait un bon McDo pour tout le monde. Et puis après, c'est bon, ça repart. Hein. On se retrouve, on se fait un McDo. Et puis rappelez-vous, j'avais dit ça il y a pas si longtemps. J'avais tout le monde, c'était foutu ma gueule, en disant, mais les gars, il est fou, Joe, machin, tout ça et tout. Mais juste un petit truc simple, un événement simple, tout le monde se regroupe et rigole un peu. Ah, oui, oui. Je pense que ça ferait déjà pas mal de bien dans ce club. Même pour nous. Hein. Non, mais ça peut aider, des fois. Des fois, ça peut Allez, aider. Tom, on t'écoute, 21h17. Attends. Déjà, juste pour moi, une solution, j'en ai pas. Déjà, ça c'est sûr. Hein, à part si je suis sur Football Manager, j'aurais recommencé ma carrière depuis le début. Mais ça, c'est une autre histoire. Sinon, pour le chat, c'est très simple. Charles Maurice qui parle, vous avez parlé de jeunes et tu remplaces par des joueurs nonchalants. Ok. Tout simple. Et Drive151 qui dit tu reçois chaque soir chaque joueur individuellement pour fixer des objectifs clairs, titulaire remplaçant les autres à disposition de la réserve. Il a dit qu'il ne faisait pas d'entretien individuel, il a dit Herrera, dans une de ses interviews. Oui. Juste collectif et sur le terrain, mais qu'il ne recevait personne individuel. Je trouvais ça étonnant. Et après, pour d'autres, ça parlait de préparation mentale, essayer de recréer à peu près un bon état d'esprit. Voilà. Bon, enfin, bon, en même temps, ce n'est pas à nous de trouver les solutions. Non, bon, on peut en proposer. Comme on écoute, apparemment, écoutez, prenez quand même des notes, hein, ça pourrait servir, hein, parce qu'on a vécu, nous, des situations où, des situations collectives où tout le monde part dans le mauvais sens et comme on dit, il faut tout recentrer un petit peu et se remettre un petit peu la tête à l'endroit. Hein. Le foot, une vie collective dans le foot ou ailleurs, c'est exactement la même chose. Hein. Donc, à un moment donné, il faut aussi peut-être se remettre un petit peu les pieds sur terre et se dire qu'à un moment donné, okay. il faut se regarder dans la glace et se dire, on ne va pas dans le bon sens, on a des gros problèmes à gérer, on se trompe souvent. Qu'est-ce qui fait que ça ne va pas dans le bon sens? Merde, quoi, c'est tout. Samuel, tu veux ajouter quelque chose? Je sens. Non, je te vois. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, je me dis, il y a aussi des cadres dans cette équipe. Bon, encore une fois, si on m'explique que Simba et Barbé, par exemple, étaient bien au Girondin et étaient en forme parce qu'il y avait Gaëtan Poussin. Merde, non, mais en fait. Si vraiment c'est ça, si vraiment l'équilibre du vestiaire tenait à Gaëtan Poussin ou Tom Lacou. Non, pas que ça. Mais il y avait un ensemble. Il y avait peut-être un collectif qui s'était créé avec les gamins qui étaient plutôt sympathiques, le sourire. Tu vois, il y avait plusieurs facteurs, je pense. Que ça fasse partie de l'équation, je comprends totalement. Voilà, c'est ça. Mais à partir du moment où tu as des mecs comme Simba et Barbé, même si tu perds deux petits jeunes que tu aimais bien plus. De mec qui a commencé à prendre du poids dans les vestiaires. Mais t'es aussi là pour l'héritage, quoi. Ce qu'on a apprécié avec ces mecs l'an dernier, c'est que c'était des mecs qui avaient conscience du maillot qu'ils portaient. Et moi, c'est ce que j'ai le plus aimé l'an dernier avec cette équipe, c'est que malgré le fait qu'on ait des joueurs comme Franck Sergio qui n'en avait rien à piper de ce club, malgré le fait qu'on ait une direction qui nous a fait une année lamentable l'an dernier, lamentable, où ils nous ont insultés à tous les matchs, en nous en comprendre qu'on ne connaissait rien, qu'il y avait la meilleure équipe de Ligue 2, que bien sûr on allait remonter, mais fermé là, vous avez vu ce qu'on a fait nous pour le club, etc. Et pour à la fin, se dédouaner, même pas assumer que le Marco, il le connaissait, qu'il faisait la bise aux joueurs 5 minutes avant de repousser le mec, on a eu une direction lamentable. Et dans tout ça, pourquoi toute l'année j'ai été heureux? Parce qu'il y avait des mecs sur le terrain. Je ne vais pas parler des absents et des partis parce que voilà, ils sont partis. Les partants, pardon. Mais il y a des mecs qui sont toujours là. Notamment de Simba et Barbé, qui étaient censés être les porte-drapeaux du drapeau girondin. Qu'est-ce qui se passe cette année? Parlez, les gars. Parlez, c'est quoi? Parce que moi, de ce qu'on me dit, l'histoire de la douche était faux. Voilà, ça c'était du storytelling, c'est faux, ça n'a jamais existé. Moi, de ce qu'on me dit, ces mecs-là étaient pas si fans de Guillaume que ça. Voilà, donc bizarrement, moi, quand on me dit que ces mecs-là n'étaient pas si fans de Guillaume que ça, ça commence aussi à mettre un peu d'eau dans le vin de ceux qui te disent « Ouais, mais ils étaient amoureux de Guillaume. » Donc en fait, qu'est-ce qui se passe pour que cette année, non seulement physiquement, vous ne soyez pas au niveau, ça peut arriver. On est en train de perdre Gino. Mais qu'en plus, on soit en train de vous perdre constamment, vous aussi, Simba et Barbé comme Gino, à chaque match, pour le réseau de 10 minutes, j'en ai non, mais. Et le 5G alors. Et les batteries, elles sont à plat à chaque fois. Qu'est-ce qui se passe? Parlez, là, encore une fois. Nouvelle. Il y a peut-être des choses à dire. Voilà, on a tout dit. On a dans le club, on a j'en eu Blues. Maintenant, on part. Faire des choses, ça peut faire du bien aussi. Et pas de solution express. Et quand je vois des mecs comme ça qui, l'an dernier, jouaient avec la chaleur, l'amour du maillot, et qui cette année
sont des Esquimaux, je me dis, il y a un gros problème. Il s'est passé un truc qu'on n'a pas capté. Allez, Bastia. Non, pas Bastia Bordeaux, qu'est-ce que j'ai dit? Bordeaux Annecy. Un autre Romain. Après, Rodez, c'est pour arrêter la spirale négative. Bastia, c'est pour se venger. Ah non, mais maintenant, ça va être Annecy, en fait. Ça va être Annecy, le match où on va redémarrer notre histoire. Allez, Bordeaux-Annecy, Joe, restez là. Ne raccrochez pas. Ne partez pas. Un avant-match d'une rencontre de prestige de Ligue 2, Bordeaux-Annecy. Joe, il a bossé sur l'adversaire. Eh oui. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette équipe d'Annecy? Alors, pas facile parce que je ne sais pas si vous avez vu le match Annecy-Laval, mais le terrain était totalement impraticable. Je ne sais pas comment ils ont pu faire le match, mais c'était une catastrophe. J'affiche le classement et tous les documents en même temps. Comme la majorité des clubs de Ligue 2, ils sont devant nous, hein, c'est pas compliqué. Ils sont 13e avec 15 points, donc voilà. Ils sont sur une série qui est plutôt moyenne, avec une victoire en 6 matchs et 2 matchs nuls. Une victoire contre QVI, donc un concurrent direct qui a quand même fait du bien malgré tout. Donc voilà, c'est quand même plutôt pas mal pour une équipe qui a appris qu'elle joue en Ligue 2 cette saison le 3 août 2023, c'est-à-dire quelques jours avant la reprise du championnat, un peu comme nous l'année dernière. Le système préférentiel, c'est un 4-2-3-1, mais parfois, il y a des petits changements, et notamment ce week-end, ils ont joué avec un 4-4-2 en losange. Donc, on sent que Laurent Guyot s'adapte un petit peu aussi à l'adversaire dans ses dispositifs, et aussi parfois avec les absences, etc., et les méformes, on va dire, de certains joueurs. C'est une équipe, comme la majorité des équipes qui jouent entre guillemets, pour ne pas descendre, c'est une équipe qui propose généralement des matchs après discutés avec un impact physique assez important. C'est une équipe qui est très active sur le terrain parce que c'est l'effectif qui couvre le plus, on va dire, de distance en Ligue 2 quand on prend chaque joueur. C'est l'équipe qui court le plus sur le terrain avec une moyenne de 129 km parcourus par match par effectif. Bordeaux, on est 5e avec 120 km, hein, ce qui est plutôt pas mal. Je m'attendais à pire. On n'est pas si mal placé que ça, hein, malgré tout. Mais c'est surtout l'équipe qui réalise le plus de sprints avec 160 kilomètres de sprint couru. Non, qu'est-ce que je dis? C'est une moyenne, pardon, de 167 mètres parcourus, du coup, en sprint, du coup. Et alors que nous, on est à 140, du coup, on est 14e de ce classement-là. Donc, on voit que les efforts ne sont pas les mêmes. Par contre, par rapport à ça, ça montre que c'est une équipe qui est plutôt très active dans ce cadre-là. C'est une attaque aussi qui est plutôt correcte, hein, pour une seconde partie de Ligue 2, parce que c'est la deuxième attaque de la seconde partie de Ligue 2 avec 16 buts. Ils marquent beaucoup sur coup de pied arrêté. Ils ont quand même eu 5 pénalties cette saison. Donc ça montre quand même qu'ils arrivent à rentrer quand même dans la surface régulièrement. Le meilleur buteur, c'est Warren Caddy, qui est avec 4 buts, qui était au Paris FC il y a encore quelques temps, qui était parti à l'étranger et qui est revenu. Il y a aussi une surprise, c'est La Rose, qui arrive de Luanquizo, qui était en N2, si je ne dis pas de bêtises, l'an passé, qui est déjà à 3 buts et 2 pas décisifs. Et c'est une équipe qui est plutôt intéressante sur coup de pied arrêté, sur les corners notamment. Leur victoire contre QVI, c'est 2 buts sur coup de pied arrêté. C'est une équipe qui produit peu de jeux. C'est l'équipe qui a la plus faible taux de possession en Ligue 2 avec 41% et le plus faible taux de précision des pads. Techniquement, c'est très très moyen. C'est une équipe qui va vraiment jouer entre guillemets sur des passes directes, verticales, dans le dos de la défense en s'appuyant sur la vitesse de Ntamack et Caddy notamment. Et une équipe qui essaie de profiter des erreurs de l'adversaire et des coups de pied arrêtés, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est pas du rugby, hein. Non, mais on n'en est pas loin par moment avec ces équipes. C'est du renvoi au 22. Tu regarderas certains matchs. Ils se prennent pas la tête par moment. C'est vous. Quand il y a Marco qui habite dans la ville. Voilà, en plus. Voilà. Donc, après, pour les quelques faiblesses, du coup, ben, voilà, c'est une équipe, c'est la 4e plus mauvaise défense de Ligue 2 avec nous et avec d'autres équipes. Voilà. Mais parce que c'est dû aussi à leur faiblesse technique, ils font quand même souvent des erreurs. Il y a des pertes de balles, notamment au milieu, qui coûtent très cher. Le premier but contre Laval, c'est une perte au milieu. Et l'effectif a du mal à se replier, du coup, aller prendre un but comme ça. Il y a un gardien qui joue très avancé, qui prend souvent des buts en lob depuis qu'il est titulaire, le gardien Escal, du coup, Escales. Mwanga, en plus, a pris un rouge, on le voit sur le week-end dernier, donc ça va être un peu compliqué pour eux parce que c'est, on va dire, l'atout majeur avec Jean, du coup, en défense centrale. C'est quand même des joueurs sur lesquels l'effectif. Le coach surtout s'appuie beaucoup sur eux défensivement. C'est un petit peu les patrons et les tours de contrôle. Quand tu vois que eux, ça va, défensivement, ça tient. Quand eux flanchent un peu, généralement, ils ont beaucoup de mal à parer à ça. Physiquement, ils ont aussi du mal à tenir le rythme des matchs parce que 75% de leurs buts sont encaissés en seconde mi-temps. Et notamment, ils ont marqué que deux de leurs 16 buts sont marqués après la 60e minute de jeu. Donc, ça montre bien que physiquement, l'équipe chute et elle a beaucoup moins d'impact au fur et à mesure du match, notamment après l'heure de jeu. Et il faut dire aussi que le banc est assez faible et les rentrants ont très peu d'impact en majorité pour l'équipe d'Annecy. Donc, pour finir, c'est une équipe qui est très faible,
mais qui est accrocheuse malgré tout. Ils sont sur 6 nuls cette saison. Et ils sont plutôt débrouillards à l'extérieur puisqu'ils sont sur 2 victoires et seulement une défaite à Bastia à l'extérieur cette saison. Donc ça montre bien que même si c'est chez nous à domicile, face à Annecy qui n'est pas impressionnant, et quand tu vois nous actuellement ce qu'on est, on est l'équipe la plus faible de Ligue 2, ben sincèrement, à l'heure actuelle, je ne nous mets pas favoris sur ce match-là. Voilà. Ah oui, et ton pronostic alors, Jonathan D'Agostino? J'ai envie de te dire match nul, parce que le match nul, c'est le résultat le plus courant pour Annecy. Et nous, très sincèrement, sur les derniers matchs, notamment à domicile, bah, on est les rois du match nul aussi. Donc, sur voilà. Quel score, s'il te plaît? Bah, il y aura des buts quand même, il y aura des conneries qui sont faites des parts et d'autres. Donc allez, on va dire en 2-2, un match à but quand même. 2-2. Bon, on n'est pas bon en ce moment sur les pronos là, dans le talk, hein. On a du mal. Hein. On n'est pas au top sur les pronos. Bon, ben merci Joe pour cette présentation. Du coup, bon, on n'essaiera pas de faire la compo des Girondins, parce qu'on ne sait pas ce qu'il va faire. Hein. Donc, mais après, ce qui m'interroge un peu, c'est ce que va faire Annecy, parce que c'est pas une équipe qui va changer sa adversaire, c'est une équipe qui attend un peu. Mais si tu regardes Bordeaux, tu sais très bien qu'il faut aller nous chercher pour aller effectivement nous mettre en danger. Donc, qu'est-ce qu'ils vont nous attendre et qu'on va avoir un match, une purge sincère entre deux équipes qui vont se regarder et qui vont se craindre, parce qu'en termes de confiance, c'est compliqué, en termes de niveau technique, c'est compliqué. Où est-ce qu'Annecy va venir nous chercher? Et c'est donc toujours un match à double enjeu au niveau comptable, comme celui face à Bastia. Regardez Bastia, le bon qu'ils ont fait au classement. Hein. Ils sont passés à la 11e place. Là, c'est pareil, Annecy. Si tu perds, tu t'enfonces. Par contre, si tu arrives à gagner, ce qui n'est pas arrivé depuis 7 matchs pour Bordeaux, bah, tu recolles, allez, tu te sors un peu de la zone rouge. En fait. Quand je vous dis que sportivement, rien n'est impossible dans ce championnat, mais c'est ce club qui est désespérant. Allez, mais Samuel, ton pronostic. On va encore dire n'importe quoi. Parce que tu sais plus. Hein, franchement, allez, je vais faire du neutre. Du bon neutre. Aucun intérêt sans saveur, un partout. Normalement, on est censé tabasser cette équipe. Encore une fois, désolé avec tout le respect que j'ai pour Annecy, qui a démarré sa saison comme de l'an dernier, 3 jours avant. Qui a un effectif très limité, qui a Alexis Bossetti, c'est une bonne raison pour vouloir faire du mal à son adversaire. Il est blessé. Mais bon, on ne le verra pas. Pour plaisir. Heureusement qu'il est blessé, parce que sinon, pour le coup, il ne serait pas blessé, je vous aurais annoncé 2-0 pour Annecy qu'un doublé de Bossetti, parce que je connais mon club par cœur. Non, mais voilà, normalement, tu devrais montrer les muscles avec ce genre d'équipe, te rassurer, faire une belle victoire qui te fait du bien à la différence. Et j'y crois pas. Et j'espère que, enfin, du fait que j'y crois pas, ça va tourner en bon sens. Mais, voilà, j'ai envie de vous dire un partout, vraiment. Un partout. Sans aucune conviction. Gino Forte qui sera au stade, je pense. Ouais, et justement, j'allais te dire, Nico, le paramètre tribune, oui. Il peut être important aussi sur ce match. Parce que si on démarre mal et qu'on a la malchance, entre guillemets, de prendre un but et autres, ça peut être très 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 problématique. Donc j'espère que ça ne sera pas dans ces circonstances-là que les joueurs arriveront à faire un bon début. Et je vais rester optimiste, plus que réaliste, mais je vais espérer une victoire quand même 2-0 des Girondins et que ça pourra enfin enclencher une première victoire depuis si longtemps, comme tu l'as dit. Mais ouais, les tribunes, pour moi, j'ai vraiment un gros questionnement par rapport à ce qui va se passer samedi. Parce que je pense qu'il y aura des manifestations, à mon avis, des groupes de supporters. Oui, c'est sûr. En tout cas, Vincent, revoir Vincent Pajot qui a plus ou moins fait exploser au grand jour l'arnaque de la saison dernière. C'est-à-dire de quoi tu parles? Bah, l'an dernier, avec la victoire d'Annecy, on a compris en réalité ce qu'on avait à la tête du club, quoi. Les mecs qui ne maîtrisaient pas. Ah oui, d'accord. Oui, d'accord. J'avais pas compris. Et depuis, ils ne maîtrisent plus rien. Donc, quelque part, Vincent Pajot, c'est un peu le Edward Snowden des Girondins de Bordeaux. Quoi. Tom, ton pronostic. Avant de dire mon pronostic, je veux te dire que sur toutes les votes là, du chat, alors, il y a une petite majorité de victoires. Mais vraiment, j'ai jamais vu autant de défaites de ma vie là pour. Eh ben oui. J'attends que ça passe à super. Ouais. Pour ma part, moi je sens, tu vois, le côté tribune, enthousiasme ou pas, je n'y crois pas une seule seconde, on va pas avoir de chance.
on perd 1-0. Oh là là. Ah ouais. Et eh bien moi, ah j'ai oui, envie moi, de... Non. Moi, je sais pas, je suis optimiste en ce début de semaine. 2-1 pour nous. Je sais pas pourquoi, je me dis que sur ces séries de 4 matchs, il va gagner un match. C'est, la terre, en plus, hein. C'est purement subjectif. Et comme je me trompe à chaque fois, ça devrait être. On n'a pas de trêve, nous, du coup, si on a la Coupe de France. Et ouais. Non, voilà, exactement. Ouais. Le Coupe. Week-end où il n'y a pas de Ligue 2, nous, nous jouons contre Canet. La Coupe de France contre, à Canet en Roussillon. Ah, les gars, là, pour tout vous dire, moi, mes parents vivent à côté maintenant et ils m'ont dit : tu veux descendre voir le match ? Ah, mais vas-y. Ou descendre vous voir, oui, avec plaisir, parce que j'ai envie de voir ma famille. Venir me faire humilier dans un bled paumé là-bas, là, où je connais personne, par une équipe de 6ème division avec mon équipe de peintres, là, non, c'est bon, ça va aller. Voilà. Un bled paumé, non, on les voit, les Parisiens, ah, quoi, qui vont. J'espère qu'ils ne vont pas reprendre la phrase. Merci, c'est Samuel. C'est magnifique, Canet en Roussillon. Ben, c'est bien, tu remotives les adversaires en plus. Je viens de dire que c'était chez mes parents, donc quand je dis bled paumé, c'est affectif. C'est au bord de la Méditerranée. On salue le maire, du coup. Ouais. Attends, c'est magnifique là-bas. C'est magnifique là-bas. Attends, c'est à côté de Perpignan. Pyrénées orientales, oh. J'ai envie de dire, à mon avis, ce serait Catalogne. Plus regarder le paysage que le match. Ben, ça. Attends, c'est surtout la Catalogne, c'est le pays de Gino, ça. C'est vrai. Moi, plutôt terre espagnole, mais bon, c'est quand même la Catalogne. Et Canet qui avait sorti Marseille il y a peu de temps. Hein. Ouais, oui. Voilà. Ouais, bah, Canet en attention. Ils avaient fait l'OM il n'y a pas longtemps. Ouais, ouais. Club de National 2. C'était pas l'année du Covid, justement. Bon, on en parlera. On en parlera la semaine prochaine. On en parlera la semaine prochaine. Donc, on a les pronos. Hein. T'as pas les cotes par hasard? Non, je ne l'ai pas préparé. Non, je l'ai fait exceptionnellement les dernières fois. Je ne sais plus pourquoi, parce qu'on n'avait pas de match. Je ne sais plus pourquoi je l'ai fait. Alors, on va gagner, ça veut dire, du coup. C'est bon. Si on n'a pas les cotes, c'est bon. Non, mais je ne les fais pas, les cotes. J'avais fait de manière exceptionnelle. Mais vous les aurez sur Web Girondin dans la semaine, jeudi. Mercredi ou jeudi, vous aurez les cotes. Moi, je pense que la première victoire de Riera, ce sera contre Canard aussi. Alors, surtout, si j'ai un conseil à donner à tous les supporters bordelais, ne mettez pas d'argent sur votre équipe. Déjà qu'en ce moment, c'est la misère. Ne mettez 0€, comme Gérard, 0. Voilà. Surtout, oh là là, c'est pas possible. Surtout, c'est ne mettez pas un centime sur votre équipe. Non, mais Nico, on va pas leur dire de s'endetter en plus d'être non, non, ah, oui, non, mais moi je suis d'accord avec toi. Non, je réagissais euros, pas par rapport à ça. Oui, bien sûr. Oui, mais si non, tu fais 2 euros, 38. De toute façon, on ne fait pas de paris sportif. Ça va faire beaucoup. Voilà, faites un beau cadeau de Noël à la limite, mais. Épargnez-vous 2 euros par week-end. Joe 2-2, Sam 1 partout, Gino 2-0, Tom défaite 1-0, ouais, 2-0 et moi 2-1. Bon, ben voilà, messieurs, on arrive au terme de cette émission. Je sais pas pourquoi je suis plus fatigué que pour les autres émissions. C'est la 17ème place ? C'est la 17ème place qui fait ça ? C'est la période difficile. Ah ouais, ça promet. On a juste fait 2 heures d'émission après, Nico, aussi, tu sais. Oui, ouais, c'est fatigant. Jeudi, rendez-vous exceptionnel grâce à Gino. Je te laisse l'annoncer, Gino. Non, mais c'est pas grâce, c'est pas le truc, mais on a la chance de recevoir un monument du journalisme sportif en France et notamment dans le monde du football. Et on aura monsieur Didier Roustan qui sera avec nous jeudi soir. Voilà, pendant 19h30. 30 à 45 minutes pour parler notamment de la sortie de son livre Puzzle, qui est un très bon bouquin que je vous conseille, que moi j'ai eu à acheter il y a peu. Et donc voilà, on aura la chance de pouvoir dialoguer foot avec lui. Donc ça peut être très très sympa. Et de parler bien sûr des Girondins de Bordeaux, ce qu'ils pensent, d'avoir la vision d'un... Oui, voir un peu. D'un boss comme ça, ça peut être intéressant. Jeudi 19h30, en direct, Didier Roustan. Voilà messieurs, merci Samuel Vasselin, Club des 5, quand ? Cette semaine, il n'y a pas demain, c'est toi qui anime. Ouais. Tu as fait la grande déprime de passer la Ligue 2 à C1. Oh, au moins, ouais, tu as un peu de bonheur comme ça. C'est ma pénitence, je l'accepte. J'ai un peu de bonheur. Eh bien, on regardera la Ligue des Champions. On se marre bien avec les copains, comme dirait l'autre. Voilà. Ouais, Club des 5, abonnez-vous. J'ai l'impression de devenir un supporter de rugby, là, du coup, maintenant. Voilà, quand le seul argument, c'est on se marre bien avec les copains. C'est pas sur la bonne route, généralement.
Ne critique pas les supporters de rugby, il y en a beaucoup. Ils sont plus costauds que nous, en plus, oublie pas. Demande à Gino, regarde. Non, non, regarde-moi ce physique mais... d'athlète. Non, 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 pas forcément. Mais... Quand il rentre dans le mode, Gino, il fait pas semblant. Tu le sais. On vous dit libre antenne mercredi, donc jeudi, talk avec talk raccourci avec Didier Roustan et débrief à chaud samedi. Voilà, la semaine va être chargée. Merci à tous. Merci Gino, merci Samuel, merci Joe, merci Thomas. Merci pour votre temps, le les amis. Si vous avez aimé, mettez un like. Si vous avez aimé, mettez un dislike. Allez, voilà, c'est positif, ça. Ben oui, mais chacun fait ce qu'il veut. Chacun est libre. On a passé la barre des 300 likes. Hein. Ah, magnifique. Ouais, 322. Ah, ouh, moi je suis resté bloqué à 12 sur mon téléphone. C'est bizarre, je vais avoir un bug. Mais oui. Faut rafraîchir. Nicolas Michaud a commencé. Westbeck joue à son poste. Allez les gars, on peut le faire. Qu'est-ce que t'as dit à 400 likes? Westbeck joue à son poste. Faites-le ouais, bon. Reculer, Albert. Fais reculer Gaëtan. S'il te plaît. À 500 likes, je joue latéral. À 600, t'as toute l'équipe qui joue. Ah bon, voilà. Ça va aller. C'est bon, c'est bon. Allez, bonne soirée. Ciao. Ciao, ciao. I used to stick around, definitely not for too long. But boy, you got me hooked and made me wanna write this song. Thought all guys already scared, but I'm aware that you're special. So let me take you somewhere where we could be alone. When I look at you, I see a pretty picture. You're the sun, I'm the sky, and we're so complete. Let me water you, my flower, I'll teach you how to open up real nice, baby.